Bonjour à tous et à tous, à tous et à toutes, pardon, ça commence en force. Bienvenue à cette séance de la Commission sur les finances et administration de notre ville. On poursuit aujourd'hui l'étude publique du budget de fonctionnement 2022 et du budget d'immobilisation 2022-2031 de la Ville de Montréal. Je me présente, Pierre Lessard-Blais. Je suis président de la commission en plus d'être maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Permettez-moi de vous présenter les membres de cette commission en commençant par nos deux vice-présidents, Monsieur Desbois. Oui, bon, merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est Laurent Desbois, vice-président de la Commission, et je suis le maire d'Outremont. Et Monsieur Bourrel. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Georges Bourrel et je suis maire de Beaconsfield et aussi vice-président de la Commission. Monsieur Botachi. Bonjour à tout le monde, Alex Botachi, maire de Dallard-des-Ormeaux. Madame Christensen. Bon matin tout le monde, Lisa Christensen, conseillère de la ville dans Rivière-Prairie-Pointe-aux-Trembles, dans le district de la Pointe-aux-Prairies. Madame Goulet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Nathalie Goulet, je suis conseillère de ville du district d'Amsic dans l'arrondissement d'Amsic-Cartierville. Bonne séance à tout le monde. Monsieur Gratton. Bonjour à tous et à toutes. Benoît Gratton, je suis conseiller d'arrondissement du district des Marchais-Crawford à Verdun. Madame Grondin. Bonjour, Vicky Grondin, conseillère de ville à l'arrondissement de Lachine et conseillère désignée à l'arrondissement de Ville-Marie. Bonne journée. Madame Journeau. Bon matin, Virginie Journeau, conseillère de ville à Pointe-aux-Trembles, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Bonne journée. Monsieur Ouellet. Bonjour, Sylvain Ouellet, conseiller municipal du district François Perrault, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, par extension. Bonne journée. Et Madame Sigouin. Oui, bonjour, Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement dans le district des Mars-Saint-Paul-Saint-Henri-Ouest, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, chers membres de cette commission, d'être tous là. Monsieur le Président. De présence. Oui, Monsieur de Souza. Vous me permettez? Oui, je vous permets. Vraiment désolé. Non, non, pas de problème. Merci. Alain de Souza, maire de Saint-Laurent. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce matin. C'est un grand plaisir aussi que vous soyez avec nous. Désolé, vu que vous êtes arrivé un petit peu flush, là, je vous avais plus sur ma liste, mais merci beaucoup d'être là, Monsieur de Souza. Donc, vous n'avez pas flashé. Non, jamais, jamais. La commission perdrait beaucoup de sa couleur si on ne vous avait pas avec nous. Ça m'a fait plaisir d'ajouter couleur à la commission. Donc, on va procéder aujourd'hui avec l'étude des budgets de fonctionnement et d'immobilisation du service de la culture et plus tard, ce sera celui du service de la diversité et de l'inclusion sociale. Donc, on commence toujours par une période de présentation du budget suivie par une période de questions du public et ensuite une période de questions et commentaires des commissaires et des élus. Si nous recevons des questions de journalistes, celles-ci seront lues après la période de questions et commentaires des commissaires et des élus, dans la limite, bien sûr, des temps loués à chaque séance. Je demande à tout le monde de faire preuve de synthèse, que ce soit les présentateurs ou les commissaires et les élus, dans leurs questions et dans leurs réponses, pour que nous puissions mener à bien nos travaux dans les temps impartis. On reçoit aujourd'hui officiellement aussi le dépôt des cahiers budgétaires d'organismes qui ne sont pas appelés à faire une présentation à la commission. Le public et les commissaires peuvent toutefois, s'ils le souhaitent, poser des questions en lien avec les documents budgétaires déposés. Donc, aujourd'hui, nous accueillons le dépôt des budgets du Conseil des arts de Montréal et du Musée de la Pointe à Calière. Et je salue la présence des directrices qui sont avec nous pour représenter ces organismes. Merci beaucoup pour votre travail et pour le dépôt de votre document.
On commence donc notre séance avec la présentation du budget du service de la culture. Je remercie Madame Erika Alnéus d'être avec nous. Madame Alnéus est responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif. Elle est aussi accompagnée par Monsieur Yvan Filion, qui est le directeur du service de la culture, qui Monsieur Filion fera la présentation du budget. Je vous rappelle, Madame Alnéus et Monsieur Filion, que nous avons 20 minutes pour votre présentation. Je vous remercie de votre présence et je laisse la parole à Madame Alnéus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous tenterons d'être succincts. Alors, bonjour à tous et à toutes et au commissaire. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour l'étude du budget du service de la culture devant la Commission des finances et de l'administration. En tant que nouvelle élue responsable de la culture au sein du comité exécutif, c'est avec honneur et enthousiasme que je commence ce mandat. La culture est un lien. Elle est une opportunité d'équité et plus que jamais, nous réalisons à quel point elle est fondamentale et sa richesse contribue à notre sentiment de fierté. Vous pouvez compter sur moi pour la défendre, la mettre en valeur et pour garder la flamme bien vivante. Je veux profiter de l'occasion pour saluer la rigueur et l'agilité du service de la culture pour l'année 2020-2021. Comme le Monsieur Filion pourra vous le présenter, les actions du service ont été harmonisées dans une période de pandémie qui a eu un impact important et direct sur l'ensemble des activités culturelles. Notre service a une fine connaissance du milieu et travaille avec sensibilité et professionnalisme pour adopter nos pratiques et nos interventions dans cette période et épisode trouble que nous traversons. Notre administration continuera à faire de l'accès à la culture une priorité tout en favorisant la pleine participation de toutes et tous. Nos mesures reflètent cet objectif principal. Nous serons au rendez-vous en 2022, tout comme nous l'avons été en 2021. Et nous continuerons à marcher main dans la main avec les organismes, les partenaires, les acteurs du milieu, les arrondissements ainsi que tous les Montréalaises et Montréalais pour continuer de faire de Montréal une ville créative, à l'avant-garde et riche de sa culture. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Maintenant, la parole à Monsieur Filion. Oui, bonjour. Bien heureux, moi aussi, d'être avec vous ce matin pour faire la présentation du service de la culture. Je suis accompagné de l'équipe de direction du service, donc Dominique Gazot pour les bibliothèques. Bonjour. Geneviève Pichet au développement culturel. Bonjour. Ainsi que Kevin Donnelly, cinéma, festival, événement. Bonjour à tous. Également avec nous, les gens de l'équipe du service des finances de Mathieu Perrier, Julie Nicolas et Francine Leboeuf. Je tiens à profiter du moment pour les remercier non seulement pour le soutien pour la présentation, mais toute la qualité du travail qui est effectué durant l'année. Donc, on va débuter la présentation immédiatement avec Mme Gazot. Vous pouvez procéder à la diffusion. Avec l'organigramme 2022. Donc, l'organigramme et la structure est relativement similaire à celle des années précédentes. Ce qu'on peut noter, même si c'est écrit très petit, c'est l'augmentation du nombre d'employés au niveau du budget de fonctionnement de 8 postes. Ces 8 postes sont en lien, on le verra un petit peu plus tard, avec de nouveaux services qui vont être déployés au cours de l'année, soit la réouverture après près de 8 ans, si ma mémoire est bonne, du théâtre de Verdure, ainsi que l'ouverture en cours d'année, là, probablement vers l'automne, du même. Si on va maintenant au fait saillant, de l'année 2021, dans un premier temps, en termes d'équipement culturel, des jalons des importants, l'Esplanade tranquille qui a eu ses premières activités estivales donc cet été avec la projection du Festival du Nouveau Cinéma. En ce qui concerne les projets de bibliothèque ou maison de la culture, on a franchi des étapes importantes du projet SANAC dans Ville-Marie. C'est un projet de bibliothèque et de maison de la culture avec un volet communautaire, ce qu'on appelait auparavant le projet Peter McGill. Donc, les plans de vie ont démarré, ils sont presque terminés, on est rendu à plus de 80%. Également, le concours d'architecture du projet Cœur Nomade, le projet de bibliothèque avec diffusion culturelle Montréal-Nord de Quartier-Ville, qu'on appelait PIA auparavant. Donc, le concours d'architecture s'est tenu, les lauréats sont connus et le contrat devrait être octroyé sous peu. On est heureux également là, de pouvoir avoir fait en sorte que le concours d'espace rivière, à Rivière-des-Paris, une bibliothèque, une maison de culture, un centre communautaire, incluant entre autres le BAM, sera prêt à être lancé au cours des prochaines semaines.
au cours de l'année 21, on a obtenu à la fois le mandat d'exécution et les autorisations du gouvernement du Québec. Nous avons également réalisé l'aménagement des aires d'accueil dans le cadre d'installation du RFID, donc un revampage des aires d'accueil de 3 bibliothèques. Ces projets de bibliothèques sont financés, là, puis vous allez voir des petits astérisques tout le long de la présentation, c'est que c'est financé par le ministère de la Culture dans le cadre de l'entente de développement culturel. Soulignons également 4 nouvelles œuvres d'art public, 2 murales d'envergure et 2 œuvres qui ont été restaurées et réinstallées sur leur site au cours de l'année. Bien sûr, Mme Anus en a fait allusion, l'année 21 a été marquée par la pandémie, par les enjeux de la COVID. Donc, au niveau des offres de services qu'on retrouve en arrondissement, autant au niveau des bibliothèques du réseau Accès Culture, on a dû travailler avec les arrondissements en étroite collaboration afin de respecter les consignes sanitaires, mais de s'assurer qu'on continue à offrir un service de qualité aux citoyens. Donc, ça a vraiment été marquant pour l'année. Je tiens à souligner vraiment le travail et la résilience des employés, autant du service que ceux d'arrondissement, qui ont offert à la population un service de qualité tout le long de l'année. Malgré tout, on a réussi à mettre en place des projets de qualité, dont celui des maisons qui a mis en valeur la diversité avec la participation citoyenne. Et également, avec le même, 2 expositions hors les murs, dont une qui s'intitule « Dialogue avec la communauté sino-montréalaise ». Et c'était particulièrement important de le faire dans le contexte actuel de racisme systémique. Le milieu culturel qui a été touché, c'est bien sûr pas strictement nos installations, c'est l'ensemble du milieu, les organismes culturels, les artistes, les artisans. Donc, on a soutenu plus de 120 projets. On s'est adapté afin de continuer à contribuer, puis ça a permis de contribuer également au dynamisme du centre-ville. Mais de façon plus ponctuelle et spécifique, il y a eu un programme avec le service du développement économique, dont il y avait un financement de 2,5 millions, pour lequel 27 organismes ont réussi à créer des activités dans le centre-ville élargi. Donc ici, on a des activités qui ont permis de donner un peu de beauté et d'importance de la culture au cœur de l'âme des Montréalais, Montréalaises, soutenir les artistes, les artisans, mais également les commerçants du centre-ville. Dans le même esprit, une subvention de 1,4 million supplémentaire pour l'acquisition de documents par le ministère de la Culture, qui a permis d'offrir une offre plus importante, généreuse aux citoyens, mais également soutenir l'ensemble de la chaîne du livre. En ce qui concerne le ministère de la Culture, nous avons fait le renouvellement de l'entente sur le développement culturel à la hauteur de 158 millions pour les années 21-24. Ça se termine au printemps 2024. Et juste souligner que ce 158 millions n'est pas strictement pour le service de la culture, mais également pour d'autres services de la ville tels que Patrimoine et Mont-Royal. On a travaillé de façon étroite avec le milieu pour innover, pour transformer nos pratiques. On pense entre autres avec On tourne vert, avec le Bureau de cinéma de la télévision du Québec pour rendre l'industrie audiovisuelle plus éco-responsable, la mise sur pied d'un indice d'éco-responsabilité. On en parlera un petit peu plus tard. On poursuit avec des actions qui sont en lien avec la lutte contre le racisme. Également, la stratégie de réconciliation, plus d'une douzaine d'actions ont été posées au cours de l'année. Pensons entre autres à la mise en place d'un indice d'équité qui a cherché à établir un portrait, un point zéro sur la situation des organismes qu'on subventionne. C'est vraiment dans la démarche de l'Office de la consultation que nous avons fait ces actions. Un élément important du plan d'action pour le développement et la protection des ateliers d'artistes, en collaboration avec le ministère de la Culture et du Développement économique, donc la subvention à 3 projets de rénovation d'ateliers d'artistes qui va soutenir plus de 600 artistes. On a également travaillé avec le Conseil des arts de Montréal, dont souligne la collaboration pour ce dossier, mais l'excellence travail tout au long de l'année à mieux outiller les artistes, entre autres, sur leurs droits et obligations, et des projets pilotes d'accompagnement sur des projets immobiliers, toujours dans le cadre des ateliers d'artistes. On arrive maintenant aux indicateurs AEMC, des comparatifs avec d'autres villes canadiennes. Donc, les subventions octroyées par la culture par habitant, une légère hausse de 2,4% en 2020. Donc, une légère hausse, mais dans la stabilité. Le coût total des activités culturelles par habitant, on retrouve une diminution de 11%, mais c'est vraiment un changement de règle comptable qui explique, sur la durée d'immobilisation, qui explique cette diminution. Le coût d'exploitation des bibliothèques par habitant, très stable depuis 2017, donc pas de changement en 2020 à ce niveau-là.
Le prochain, on retrouve quand même des changements importants, c'est les dépenses d'acquisition pour les documents électroniques par habitant. Une hausse de 40 %. Donc, on a transféré des sommes qui allaient à l'imprimer vers le numérique. Et la raison, c'est qu'en 2020, ben, c'était une grosse année de pandémie. Les bibliothèques ont été fermées. Les habitudes des citoyens et citoyennes ont changé. Il y avait un besoin pour eux d'acquérir des documents numériques, mais les emprunter. Donc, on a augmenté de 40 % et ça a vraiment répondu aux besoins puisque la hausse des prêts en 2020 des livres numériques était de 96 %. Donc, on a plus un exemple d'ajustement de services pour répondre aux besoins. Les indicateurs à la page 25 qui sont suivis par le service de façon régulière, on vous en présente quelques-uns aux pages suivantes. Le premier, c'est le nombre de livraisons de documents qui sont effectués par semaine entre les bibliothèques pour justement le transport des livres. On voit qu'on était un petit peu sous la cible, 117 livraisons au lieu de 125, causées par quelques semaines où on a eu plus de soucis, mais de façon générale, la majorité des semaines, nous avons atteint la cible. La diapo suivante est intéressante. Des fois, les bonnes nouvelles amènent un certain nombre d'enjeux. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'on a eu 1,4 million de documents, de sous pour des documents plus. C'est près de 48 000 documents qu'on a dû traiter avec le même personnel qu'à l'habitude. Donc, bien sûr qu'en début d'année, ça a eu un impact sur le délai de traitement matériel, plus de livres, même nombre de ressources. Par contre, en cours d'année, on a su s'adapter, on a mis en place des mesures et à partir du troisième trimestre, on est revenu à la cible. Les deux prochaines diapos, ce sont le nombre de semaines de traitement de demandes de contributions financières. Dans 50 % des cas, nous étions sous la cible, malgré le fait qu'on a ajouté des nouveaux programmes. Et dans tous les cas, nous avons diminué par rapport à l'année précédente le nombre de semaines de traitement, des fois d'une à deux semaines, mais parfois de 4 à 5 semaines. Donc, c'est bon pour la diapo 28 et 29. Ça nous amène maintenant à la diapo 32 sur les revenus. Donc, ce qu'on remarque au niveau des modifications des revenus additionnels, c'est d'une part le 1,4 million des documents dans le cadre du ministère de la Culture, ainsi qu'une subvention toujours dans le cadre de l'ensemble de développement culturel de 3 millions pour la réalisation du projet Le Cube par la compagnie théâtrale Le Carrousel. Donc, c'est vraiment là, les deux principaux éléments de revenus supplémentaires que nous avons eus durant l'année. Ça se reflète bien sûr dans les variations du budget qu'on voit à la diapo suivante, à la 33. Si on ajoute un élément plus important également, c'est 1 million à la subvention à regroupement pied carré pour les ateliers de ateliers d'artistes. Les deux éléments, le 3 millions et 1,75, effectivement, c'est des revenus, mais on n'a pas eu les dépenses. Au moment que le budget est fait, on prévoyait faire ces dépenses-là, mais les organismes n'ont pas encore franchi toutes les étapes. Donc, il n'y a pas de souci pour l'année prochaine, mais ce ne sont pas des dépenses qui se sont réellement effectuées au cours de l'année. En ce qui concerne les principales variations entre le budget modifié et les prévisions, sur le 2,2 millions, il y a 1,9 million qui est des économies liées au plan de marge de manœuvre. Donc, c'est vraiment ça qui explique la variation. Ça nous permet maintenant d'aller aux objectifs 2022 qui sont regroupés par grandes thématiques. La première qui est essentielle, ont les quartiers culturels, la culture de proximité. Comment faire pour s'assurer que les citoyens ont dans leur quartier à proximité des services de qualité, des installations de qualité qui répondent à leurs besoins? Donc, on commence avec, entre autres, les bibliothèques. Donc, l'ouverture de la bibliothèque Maisonneuve qui est prévue pour la fin 2022. On va bien sûr poursuivre les travaux de la bibliothèque Octogone. Les travaux d'aménagement intérieur du centre Sanac pourront débuter suite à la fin des plans de vie. Plans de vie qui vont débuter pour le projet Cœur Nomade et également le lancement du concours d'architecture Espace Rivière. On va également faire l'aménagement des aires d'accueil d'une bibliothèque en 2022 et les plans de vie de deux autres. Puis ces deux autres-là, mais sont réalisés en 2023. L'inauguration du théâtre de Verdure, donc après 8 ans, une première programmation estivale sera déployée dans le tout nouveau théâtre cet été. Le même qui va ouvrir, donc le Centre des mémoires montréalaises qui remplace l'ancien Centre d'histoire de Montréal. Également, l'Esplanade tranquille, la patinoire là, qui est en train, la glace est en train de se faire et qui devrait ouvrir au cours des prochaines semaines. Et cet été, tout le déploiement en mode estival de la place publique. Parlons également des travaux qui vont se terminer pour le théâtre d'Outremont, la chapelle historique du Mont-Pasteur au niveau des équipements numériques, ainsi que pour la culture, la maison de la culture Mercier. Le plan d'action des rayonnements des musées montréalais suite à l'étude des besoins du milieu et le déploiement du plan d'action font partie de nos objectifs de l'année. Également, 8 œuvres d'art et 4 murales dans les arrondissements sont déployées. En concertation avec les arrondissements et en lien avec la vision 2030 pour suivre les travaux de déploiement des quartiers culturels,
Également, un plan d'action concerté pour le développement du loisir culturel afin de mieux répondre aux besoins des citoyens. C'est important lorsqu'on parle de participation citoyenne de parler de loisirs culturels, donc on va le faire en cours de l'année 22. On souhaite également poursuivre notre travail de collaboration avec le développement économique qui a été très profitable au cours de l'année. D'une part, poursuivre les efforts en ce qui concerne l'animation du centre-ville dans le cadre de la relance. Également, lancer un programme de soutien pour l'insonorisation des salles de spectacle alternatives afin de faire de la mitigation pour la nuisance nocturne. Et également, le deuxième appel à projet pour les programmes de soutien à la rénovation des bâtiments des ateliers d'artistes. On a fait le premier volet en 21, le deuxième volet sera lancé en 22. En ce qui concerne la diversité, inclusion et lutte contre le racisme, les deux premiers objectifs, on n'a pas pu les réaliser complètement en 2021 à cause de la pandémie, mais on est bien avancé. Il y a déjà des contrats qui ont été octroyés, puis au moment opportun, on sera capable de le déployer en 2022. C'est-à-dire un sondage sur le portrait de la fréquentation des citoyens au réseau des maisons de la culture et des bibliothèques. Autrement dit, qui sont les gens qui fréquentent nos installations? Et puis, est-ce que ce portrait-là reflète le portrait de la population des Montréalais et Montréalaises? Sinon, s'il y a un écart, ben, on aura des cibles et comment on peut atteindre pour s'assurer que nos services reflètent bien les besoins de l'ensemble de la population. Et on va faire la même chose avec les portraits des artistes, le profil des artistes qui sont dans la programmation du réseau Accès Culture et animateurs dans nos bibliothèques. On souhaite également déployer plus largement l'indice d'équité à des organismes qui sont financés dans le cadre de nos programmes. En termes d'activité, poursuivre ce qu'on a fait avec les bibliothèques, des projets de rayonnement des cultures des groupes racisés dans un contexte de lutte antiraciste. En ce qui concerne l'autochtonie et la mise en valeur des cultures autochtones, on va lancer le programme d'art mural et l'appel à projet en art public éphémère à l'intention des artistes autochtones. Ça a été rédigé au cours de l'automne, on sera en mesure de lancer sous peu, ainsi qu'un certain nombre d'activités, dont des tournées d'artistes autochtones dans le réseau de la maison de culture et également la mise en valeur des œuvres littéraires autochtones. Donc, au niveau de la transition écologique, déployer largement l'indice d'éco-responsabilité et un certain nombre d'activités de médiation, d'exposition pour sensibiliser les Montréalais à cet enjeu. Au niveau du sommet des revenus, par compétence, donc tout sous la responsabilité du conseil municipal, on voit des revenus très similaires. En termes de dépenses, une hausse d'un peu moins d'un million. Si on regarde les détails aux impôts suivantes, la hausse est en lien avec le même avec 180 000, c'est ce qui explique la variation. En ce qui concerne les dépenses, les écarts au niveau des dépenses, c'est vraiment le principal élément, c'est justement la base de RENUM, donc l'indexation à 740 000 et les deux nouveaux projets, l'ouverture du même et du salaire d'ouverture avec 400 et 300 000 de façon pour chacun des cas. En ce qui concerne la variation des employés, c'est 8 postes de variation, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est pour le même et le temps de verdure. On poursuit maintenant avec le PDI. Pour les enjeux, similaire à l'année passée. D'une part, le premier enjeu, celui de l'équité territoriale. On souhaite répondre aux besoins des citoyens en termes d'offres de services, d'équipement municipal sur l'ensemble du territoire de la ville. Cette équité-là, on le sait, il peut avoir des enjeux pour des populations les plus vulnérables. Est-ce que dans des quartiers où il y a une population plus vulnérable, on retrouve assez de ces équipements-là? Est-ce que les services de qualité sont présents? Donc, on veut vraiment viser les populations plus vulnérables et dans les secteurs les plus éloignés des bâtiments culturels municipaux, ou bien qui sont trop petits ou qui n'en ont même pas du tout. On est également assujetti aux conditions du marché de la construction. Et j'étais optimiste au moment de rédiger. Je n'avais pas souligné la pandémie, mais là, il faut le rajouter, la pandémie, qui a un impact, bien sûr, au niveau de notre capacité à livrer dans les délais, ne serait-ce que pour la livraison des matériaux. Je vais aller rapidement pour les réalisations parce que j'ai déjà fait le tour tantôt. Donc, on voit les restaurations. Il vous resterait 4-5 minutes, s'il vous plaît, M. Filion. Aucun souci. Merci. Ouais, au niveau des œuvres d'art public, le monument de Chénier a été rénové. On voit Pointe-à-Calière, dont je tiens à souligner l'excellent travail. On est heureux de pouvoir les supporter, entre autres pour le remplacement des équipements technologiques et la restauration des vestiges. Pour le volet bibliothèque, espace culturel, chapelle, je l'ai mentionné plus tôt. On voit ici quelques esquisses de nos projets. La même chose au niveau de l'art public. Ce qu'on voit, c'est celle de Pocro dans le port de Montréal, mais ils sont tous magnifiques, les l'art public qu'on a pu installer au cours de l'année. Le même, on a poursuivi nos travaux d'amélioration locatif, quartier des spectacles, esplanade, j'en ai glissé un mot. Ça nous amène donc maintenant au PDI.
Un PD de 624 millions sous catégorie tardif au complet du conseil municipal à 97-98% de développement. Mais je tiens à souligner que lorsqu'on fait par exemple une rénovation en quartier de bibliothèque, le volet rénovation n'est pas considéré comme de la protection. Mais dans les faits, c'est malgré tout pour le citoyen un maintien de son actif. Mais au niveau comptable, là, c'est considéré comme du développement. Et en terminant, la liste de nos grands programmes, au niveau le plus important, c'est à la diapo 56, on va voir l'acquisition d'équipements culturels. Donc, principalement pour la construction des maisons de la culture, qu'on retrouve ce montant. Le deuxième, c'est l'aménagement pour la RFID. Donc, on profite de ces travaux-là, là, principalement pour refaire l'aire d'accueil, pour revamper un petit peu la bibliothèque. Ça, c'est subventionné à 40% par le ministère de la Culture, même si les montants qui sont ici sont bruts. Renouvellement des équipements spécialisés, pas juste, mais beaucoup pour les équipements de maisons de la culture. Pointe-à-Calière, 10 millions et 11 millions 2 pour les œuvres d'art, autant des nouvelles œuvres d'art que pour la restauration dans le cadre de projets d'immobilisation. Et on termine avec les projets. Donc, rénovation, agrandissement de bibliothèque, 353 millions, 212 millions à peu près au net après la subvention du ministère. Que ce soit des projets de bibliothèque seuls ou mixtes sont subventionnés dans ce projet premier. Ben, la liste des projets. Le deuxième, 17 millions pour le quartier des spectacles, les coulisses. Donc, un élément important pour la pérennité du quartier des spectacles, pour les festivals, mais également pour la cohabitation avec les citoyens. 10 millions pour la rénovation dans le cadre de la caserne numéro 1 dans le Vieux-Montréal, l'ancien MEM, donc un élément important culturel du Vieux-Montréal, dans le cadre de la phase de Pointe-à-Calière. Et puis, par la suite, on voit un certain nombre d'actifs pour le quartier des spectacles, à la fois pour terminer l'esplanade tranquille, mais également pour renouveler les équipements, le mobilier urbain, par exemple, au cours des prochaines années. Donc, c'est prévu ce renouvellement-là. 4 millions pour le MEM, pour le Centre des mémoires, pour le terminer. Et puis, à toute fin, 1 million là, sur 2 ans pour supporter le grandissement du Théâtre du Nouveau Monde. Ce qui termine ma présentation. Merci beaucoup, M. Filion. Depuis que je suis membre de cette commission, vous venez d'établir un record pour le service de la culture dans la concision de votre présentation et nous en sommes tous très reconnaissants. Pas parce qu'on ne pourrait pas parler pendant plusieurs longues minutes du service de la culture, juste parce qu'on a des horaires de fou à la Commission des finances, mais merci. Beaucoup de projets extrêmement intéressants. Merci pour votre présentation. Et on peut donc passer à la période de questions et commentaires du public. Nous avons... Excusez-moi, 3 questions du public. Je vais vous les lire et elles seront aussi transposées dans le clavardage, si vous préférez les avoir visuellement. Donc, premièrement, question de M. Hugo Lefebvre. En campagne électorale, Projet Montréal avait promis de rendre gratuits les musées montréalais pour les 17 ans et moins. Est-ce que ça va être fait? Est-ce que ça va être fait en 2022? Sinon, pourquoi? Voilà pour la question. Effectivement, ce fut une promesse électorale durant la campagne. Pour l'instant, pour le même, nous, il y a une tarification qui a été prévue au niveau des jeunes. Par contre, il n'y a pas encore de décision qui a été prise à quel moment nous allons déployer la gratuité. Donc, pour le même, l'ouverture du musée est prévue à l'automne. Fait qu'il faudra voir. On n'a pas encore d'orientation pour l'ensemble des musées montréalais. Madame Alius pourrait peut-être compléter effectivement pour... Merci beaucoup. Simplement pour dire que je prends aussi note de la question. Ça faisait effectivement partie de nos prémices électorales. Donc, on va travailler en étroite collaboration avec les services en lien avec cette promesse électorale. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Deuxième question du public, Madame Catherine Ménard. Bonjour, je voudrais savoir ce qu'il va se passer avec la statue de McDonald's. Est-ce qu'elle sera réinstallée à son endroit initial? Je vais laisser Mme Pichet compléter la réponse, mais actuellement, on travaille en collaboration avec l'équipe du patrimoine au SUM qui doivent mettre sur pied un cadre de reconnaissance plus largement de l'ensemble des statuts. On sait qu'il y a des discussions à savoir est-ce qu'on conserve ou pas des statuts qui sont contestés, est-ce qu'on les contextualise lorsqu'on fait de la médiation autour. Donc, c'est ce contexte-là qu'actuellement la statue de McDonald's est entreposée et le travail va être effectué là, en lien avec les recommandations de l'équipe de patrimoine.
Mais si Mme Fichet veut compléter. Je t'en remercie, Yvan, mais tu as tout dit ce qui a été prévu cette année à cet effet. Merci. Merci beaucoup. Et troisième et dernière question du public de M. Francis Baudry. La Ville de Montréal devait élaborer une politique de la vie nocturne. Cette politique de la vie nocturne n'est pas mentionnée dans les documents fournis par la Ville. Quand pouvons-nous nous attendre à sa publication? Oui, la politique de la vie nocturne va se faire en collaboration avec les services de développement économique parce qu'il y a des enjeux qui dépassent strictement le volet culturel. Par contre, il y a déjà des actions précises qui sont prévues. Par exemple, celui de la sonorisation des salles alternatives que j'ai mentionné précédemment, qui va se faire dès ce printemps, font partie de cette vision de la vie nocturne. Je ne sais pas si Mme Pichet, vous souhaitez ajouter quelques informations ou si c'est complet. C'est complet, Yvan, au sujet de la politique. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup. Désolé, on me dit qu'on entend ma sécheuse derrière. Hein? C'est ça, les joies du télétravail. Donc, je vais profiter de la premier commentaire d'un commissaire pour aller la mettre sur pause. Et on terminera ça plus tard aujourd'hui. Sincèrement, désolé. Tantôt, je faisais des blagues sur le spécial journaliste Infoman, on dirait que je m'en inspire ce matin. Donc, ayant terminé la période de questions et commentaires du public, on peut entamer la période de questions des commissaires. La manière que ça fonctionne, nous avons deux tours de table avec une question chaque par commissaire. Et une fois que ces deux tours de table-là sont terminés, si nous avons le temps, nous pouvons ouvrir la période de questions à d'autres élus municipaux qui ne sont pas membres de la commission. Donc, je vais laisser la parole en priorité à nos deux vice-présidents. Nous commençons donc avec M. Desbois. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne le budget général dédié à la culture et les contributions aux organismes. À la page 59 du budget, on remarque que le budget de la culture est en légère hausse de 1 million. En parallèle, à la page 40 de votre présentation, on peut voir une baisse de 352 000 consacrée aux contributions à des organismes. Donc, avec une légère augmentation du budget de la culture pour 2022, avez-vous pris en compte les effets de la pandémie sur le milieu culturel et artistique? Et enfin, qu'est-ce qui explique une diminution des montants consacrés aux contributions à des organismes? Merci. En ce qui concerne la diminution des contributions, c'est vraiment en lien avec une contribution spécifique financée par le ministère de la Culture, le 3 millions pour le CUP que j'ai mentionné précédemment. En termes de subventions régulières, là, il y a peut-être un 120 000 de variations entre les deux années. Donc, autrement dit, en cours d'année, en 2021, on a ajouté, grâce au ministère de la Culture, un 3 millions pour le projet du CUP. Et c'est une subvention ponctuelle qui venait d'une subvention du ministère de la Culture pour un projet. Donc, c'est pas dans notre base de financement pour les subventions est demeuré relativement similaire entre les deux années. Merci. Merci beaucoup, M. Bourrel. Merci, M. le Président. Pourriez-vous nous indiquer comment la dépense de 14,6 millions prévue pour le Conseil d'agglomération se décline? J'aimerais comprendre un peu mieux et plus spécifiquement ce qui relève d'une dépense d'agglomération au sein de votre service. Oui, c'est une seule dépense, c'est la contribution financière à la Grande Bibliothèque de la BNQ, qui est considérée comme une responsabilité à de l'eau. Réponds à ma question, merci. Très efficace, droit au but. Donc maintenant, la parole à Mme Sigouin. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Fillion. Merci beaucoup pour la présentation ce matin. Beaucoup de réalisations en 2021, même compte tenu du contexte de pandémie. On a eu beaucoup besoin de culture pour
pour nous aider à passer à travers cette épreuve qui s'étire. Ma question sera en lien avec les ateliers d'artistes. En 2021, avec le ministère de la Culture, il y a plusieurs importants projets qui se sont réalisés de construction et de rénovation d'ateliers d'artistes. Quelles sont les principales retombées qui sont attendues de ces projets, tant pour les citoyens que pour les artistes? Et pouvez-vous me donner un peu plus de détails sur ce qui sera fait en 2022? On sait qu'il va y avoir un deuxième appel à projet. Et enfin, nous indiquer un peu au niveau de la répartition géographique des projets, de quoi ça a l'air. Merci. Oui, avec plaisir. En ce qui concerne le deuxième appel à projet, c'était vraiment prévu d'entrée de jeu pour donner du temps à certains organismes. Donc, on avait un premier volet qui était pour un plan d'affaires pour les organismes et qui pouvait donc être subventionné, ça a été fait. Ceux qui étaient prêts pouvaient immédiatement faire une demande pour une subvention en termes de rénovation. Mais on voulait donc donner du temps, 6 à 1 mois de plus, aux organismes qui ont été subventionnés pour faire le plan d'affaires, pour être en mesure de bien déposer le deuxième volet pour dans le cadre de l'entente avec le ministère. Donc ça, c'est un élément important qui poursuit les efforts commencés. Et cette fois-ci, pour m'assurer que Mme Fichet, je n'ai pas donné tous les éléments, je vais vous céder la parole immédiatement pour compléter la réponse. Merci, Monsieur Fillon. Merci, Madame Sigmund, pour cette question, puisque c'est un plan d'action important de la protection des ateliers d'artistes à la Ville de Montréal. Alors, comme le disait Yvan, nous allons procéder au deuxième appel à projet pour le programme pour la rénovation et la construction des ateliers d'artistes en janvier. Jusqu'à maintenant, il y a eu 3 grands projets qui ont été soutenus par le premier volet, qui vont soutenir à terme 600 artistes et également 3 projets qui ont bénéficié d'un soutien pour des études pour la faisabilité de ces projets-là. On s'assure que tous les projets rencontrent le critère de pérennité, que les ateliers soient détenus en termes de propriété, soit par usufruit, soit par amphithéose ou par acquisition d'immeubles, ce qui fait en sorte que ça stabilise les bâtiments et en fait la propriété et ça stabilise les artistes dans leurs ateliers d'artistes et évidemment tous les investissements qui viennent avec ça. Ça, c'est le premier gros volet. Le deuxième, on continue de soutenir par le programme de subvention des artistes en arts visuels et en études d'art pour les aider au soutien de leur loyer. On travaille en étroite collaboration avec le Conseil des arts de Montréal à cet effet-là. On poursuit les projets pilotes avec les GRT, c'est-à-dire les groupes de ressources techniques et les collectifs d'artistes qui veulent éventuellement acquérir un atelier d'artiste ou mettre en place un projet immobilier pour soutenir les ateliers d'artistes. Donc, à terme, si on selon nos prévisions, on pourrait soutenir à peu près 800 artistes à terme là, pour le programme, mais ça peut être plus que ça. Donc 800 au total, donc plus 200 de ce qui serait déjà réalisé. En fait, je vous dirais qu'au total, actuellement, selon les prévisions qu'on a, on pourrait desservir 800 artistes. Donc, on a 600 dans le principe, parce que là, on ne connaît pas non plus les nouveaux projets qui s'en viennent. On a une petite idée, là, mais je vous dirais que 800, c'est une bonne prévision. Puis la répartition géographique des projets, ça a l'air de quoi à votre mémoire? Là, j'imagine que vous ne les avez pas tous en tête, là. La répartition des projets, si vous me donnez juste quelques instants, je vais pouvoir trouver. Il y a des projets qui sont dans Rosemont Petite Patrie. Un instant, je vais vous dire ça. Dans Rosemont Petite Patrie, si vous le souhaitez. Il faudrait que je regarde, j'ai les adresses, mais j'ai pas. Il y a dans Ville-Marie, évidemment. On pourrait poursuivre si on a l'information d'ici la fin de la commission. Oui, c'est ça. Président, vous êtes d'accord? Sinon, on transmettra à la commissaire les informations pour le public et pour les membres de la commission, si ça vous convient. Oui, bien sûr. Bien sûr, merci. Merci, Madame Pichet.
Merci beaucoup. Ma parole à M. Botanchi. Merci, M. le Président. Ma question est concernant le personnel. Nous constatons une croissance du personnel au cours des dernières 10 années au sein du service. Pourriez-vous nous indiquer à quoi ce nouveau poste sera-t-il affecté et si ces nouveaux postes ont un impact sur le volet agglomération? Merci beaucoup. Non, il n'y a pas d'impact au niveau ADLO, au niveau culture, étant donné que le seul élément qui est considéré, c'est celui de BNQ. On a quelques employés villes, mais qui travaillent à la BNQ, mais 4-5, donc ils sont de moins en moins nombreux, donc pas d'impact. Et cette année, vraiment, cette hausse est liée au niveau du budget de fonctionnement, 8 employés pour le MEM, donc le musée qu'on va ouvrir. Cette année, et également pour le théâtre de Verdure, donc qui était fermé depuis 8 ans. Fait que le personnel qui travaillait au théâtre de Verdure, ben, les postes ont été abolis, et là, on les réactive cette année pour la gestion du théâtre de Verdure. On a également 2 postes, 1.9 de mémoire en PTI, qui sont ajoutés au niveau du centre de services partagés. Ce sont des postes pour le traitement des documents des nouvelles bibliothèques. Donc, lorsqu'on ouvre une nouvelle bibliothèque, qu'on acquiert des documents en plus et pendant la période de traitement pour ces livres-là, juste pour les nouvelles bibliothèques, on a du personnel qui sont ajoutés. À la fin du projet, les postes vont être abolis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant, la parole à Mme Goulet. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je salue notre collègue, Mme Alnéus, et merci beaucoup, Monsieur Filion, pour votre présentation, et merci aussi à toute votre équipe pour son excellent travail. Alors, on l'a bien senti dans votre présentation. La diversité et l'inclusion sont au cœur de vos différents champs d'intervention. Dans ce sens-là, la Ville entend produire des données différenciées afin d'obtenir un portrait des artistes présentés dans les programmations du réseau des maisons de la culture et dans les bibliothèques. Une fois que ces données-là seront connues, à quoi serviront-elles et quelles sont les étapes consécutives que vous entrevoyez là, la suite de la production de ces données-là? Merci. Merci de la question. Il faut faire dans un premier temps un portrait de la situation. Il faut connaître de façon objective cette situation-là et non pas être juste sur la perception, pas juste sur l'idée « il me semble que ». Alors, au niveau de la fréquentation de nos installations que sur le portrait le profil des artistes et des animateurs. Une fois qu'on a établi ce portrait-là, on pourra faire un écart par rapport à la représentativité de la population. Si normalement, si on veut atteindre l'équité, ça devrait refléter le pourcentage de la population qui elle-même est diversifiée. Donc là, pour l'instant, c'est difficile de vous dire dans combien de temps on va faire ce rattrapage-là, s'il y a un rattrapage à faire. À notre avis, il y en a un, parce qu'on n'a pas encore cette donnée-là. Donc, il va falloir se mettre des cibles pour s'assurer qu'on reflète cette équité. On devrait également, si par exemple, il y a des non-reflets de la population dans la participation des citoyens, il faut regarder avec les citoyens, puis justement les gens qui ne viennent pas, pourquoi? Est-ce que c'est des enjeux de programmation, des enjeux de communication, des enjeux d'accessibilité? Donc, ça va vraiment nous permettre là de mettre en place une série d'actions qui va faire en sorte que les gens vont utiliser pleinement l'ensemble de nos installations et peu importe le profil, c'est vraiment l'idée de laisser personne derrière et que l'ensemble de la population ait accès, et particulièrement les plus vulnérables à nos installations. Merci beaucoup. On a hâte de suivre ça. Merci. Merci, Madame Grondin. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Filion, là, pour cette présentation. Donc, malheureusement, la COVID là, vient encore nous accabler en ce début d'année. Comme on sait, les mesures sanitaires viennent grandement fragiliser le milieu culturel qui doit composer avec de nouvelles fermetures et annulations. Vous avez parlé d'un certain nombre de mesures là, qui ont été prises en 2021, qui ont favorisé le maintien des organismes et des offres de services. Alors, qu'est-ce qu'on compte faire de façon précise là, pour veiller à la survie de nos artistes et créateurs pour l'année qui suit là? Merci.
Deux volets, puis si vous me permettez, peut-être que le Conseil des arts également aurait des actions spécifiques fort intéressantes pour le soutien des artistes dans la prochaine année. On veut vraiment travailler sur les choses qui ont bien fonctionné par les années passées. Donc, un des éléments importants, c'est l'adaptation des contrats qu'on a eus avec les organismes et les artistes. Donc, normalement, un artiste ou un organisme qui a à livrer un certain nombre d'activités, prenons un festival, on a une convention et il doit s'assurer pour obtenir le plein montant de livrer exactement ce qu'il est supposé livrer. On pourrait penser au grand festival au centre-ville, par exemple, mais c'est peu importe, un certain nombre de spectacles gratuits, etc. Maintenant, on ajoute des clauses de flexibilité qui font en sorte que selon les conditions sanitaires, par exemple, bien, ça pourrait être modifié. Et qu'avec un accord qu'on aura, l'offre va être différente. Donc, si on regarde les grands événements qu'ils ont eu au centre-ville, on n'avait pas le même nombre de spectacles gratuits pour les Montréalais, le même nombre d'artistes, mais on a quand même soutenu financièrement, on a respecté l'ensemble de nos engagements pour ces événements-là. La même réalité arrive pour un petit événement dans une maison de la culture, un spectacle, où on va dire à l'artiste, malheureusement, les consignes sanitaires ont changé, on ne peut pas te produire, est-ce que tu veux, on t'en rembourse. Dans certains cas, les artistes vont dire, bien, je veux le présenter, on peut peut-être le présenter à web, on peut le replanifier. Fait que cette flexibilité-là est vraiment importante. Également, on veut continuer à travailler avec le développement économique pour voir si on serait en mesure d'avoir des programmes spécifiques pour la relance du centre-ville, de laquelle les artistes ont un rôle important à jouer. Donc là, on est gagnant sur toute la ligne, les Montréalais ont quelque chose de bon. On sait comment que la culture est importante, ça fait du bien. On soutient l'ensemble de la chaîne, puis également, ça a un impact positif pour les commerçants. Merci beaucoup, M. Pignon. Si vous permettez, je peux rapidement compléter pour vous dire un peu la lecture que le Conseil des arts de Montréal en fait au 13 janvier 2022, parce qu'on sait très bien que d'une journée à l'autre, les choses peuvent évoluer. Je voudrais que deux principaux enjeux qu'on identifie actuellement pour les artistes montréalais, évidemment, tout ce qui touche la pénurie de main-d'œuvre, la démobilisation, la perte d'expertise et la rétention, autant des artistes que des travailleurs culturels. Et ce qu'on parle depuis de nombreux mois, pour ne pas dire depuis le début de la pandémie, le fameux filet social ou le revenu minimum garanti. Depuis déjà un an et demi, on se concerte les grandes villes canadiennes, Toronto, Vancouver, Winnipeg, Calgary et Montréal, particulièrement Calgary, Toronto et Montréal, pour pousser et travailler de concertation pour faire bouger le fédéral avec ce fameux instauration du filet social pour nous assurer que, comme on dit, que l'argent percole directement aux artistes. Et actuellement, le constat qu'on fait, c'est que les modèles qui ont été mis en place, autant au niveau municipaux, provinciaux que fédéraux, sont relativement bons, mais le nerf de la guerre, c'est le revenu direct à l'artiste. Donc, nous poursuivrons nos efforts en ce sens-là au courant de la prochaine année 2022. Évidemment, on continue à assouplir nos modalités de programme au sein du Conseil, même si on va avoir un enjeu important encore en 2022, étant donné que on a dû remanier les budgets étant donné que les activités dans les arrondissements vont recommencer, donc les budgets vont retourner en arrondissement. Nos sommes seront moindres, mais on va essayer de s'assurer quand même d'être toujours là pour surtout les artistes qui sont les premiers demandeurs qui sont le rôle spécifique du Conseil des arts de Montréal. Monsieur le Président, nous avons l'information concernant les ateliers d'artistes. Question de Mme Sigouin, est-ce que vous me permettez de... Oui, on fait que oui, allez-en, complément tout de suite, oui. Ça sera fait. Donc, Villeray-Saint-Michel, par extension, pour un, Plateau Montréal pour le deuxième et Rosemont-Petit-Patrie pour le troisième projet. Merci, Mme Michel. Merci à vous. Donc, maintenant, la parole à Mme Journeau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais souligner tout le travail qui a été fait pour la mise en valeur des cultures autochtones. Il y a eu en juin, Jolie autochtone, à laquelle, quand on arrivait à la bibliothèque, je trouvais qu'il y avait une belle sélection de livres proposés par nos bibliothécaires. Également, à ma maison de la culture à Pointe-aux-Trembles, j'ai eu la chance d'entendre une conférence de Michel Jean. Donc, c'est quand même... il y a des très beaux efforts qui sont mis de l'avant. Puis je pense que ça profite vraiment... aux citoyens et citoyennes de pouvoir avoir accès à cette culture. Ma question va porter sur la transition écologique. Rapidement, vous avez mentionné
le programme On tourne vers, dans le fond, des actions éco-responsables. Et également, on a le programme Art et environnement. Donc, on n'a pas eu le temps d'aller un petit peu plus loin. Donc, j'aimerais ça vous entendre un peu sur le détail de ce programme-là. Quelles sont ses visées pour la prochaine année? Parfait. Bien, pour Art et environnement, c'est Mme Pichet. Si vous le souhaitez, après, M. Donnelly pourrait parler d'On tourne vers, là, qu'on a travaillé en collaboration avec le BCTQ. Merci, Mme Journeau, pour votre question et votre intérêt pour le programme en environnement. Ce qu'on souhaite, c'est de mettre sur pied ce programme qui ira par appel à projet et qui vise à nourrir la solidarité dans les quartiers et à amplifier le capital social par des projets artistiques et culturels qui favorisent l'implication et l'engagement des citoyens et citoyennes dans le développement de leur ville pour leur permettre d'agir sur des enjeux sociaux et environnementaux. L'objectif du programme, ce sera d'impliquer le milieu culturel pour mobiliser la population afin d'imaginer un Montréal en 2030, une ville culturelle d'avenir inclusive, diversifiée, écologique et résiliente. Et les projets vont être intersectoriels, vont impliquer autant la direction de la bibliothèque, la direction des festivals événements et le développement de la culture, développement culturel. Alors, ça va être par appel à projet, ça sera citoyens et artistes qui proposeront des projets pour mettre en valeur, en fait, la culture pour desservir et soutenir la transition écologique. Vers quel moment ça va être ouvert, l'appel à projet? Actuellement, on est à finaliser l'élaboration du programme. C'est un programme qui va être soutenu via l'entente de développement culturel. Et je vous dirais qu'on espère au cours de l'année, d'ici le printemps, là, on devrait le lancer. C'est bon, Madame Journeau? Peut-être Monsieur Fillon? Un petit mot sur le « On tourne vers oui. », Mme Journeau. Oui, merci. Alors, bonjour Mme Journeau, plaisir de pouvoir répondre à la question. Alors, le programme « On tourne vers », c'est vraiment un beau projet qui a été développé avec le BCTQ. L'idée derrière ça, c'est qu'évidemment, les productions cinématographiques créent beaucoup de résidus. Donc, on parlait au niveau des décors, au niveau de l'alimentation, au niveau des déchets qui sont créés. Alors, le projet a été mis en place pour vraiment supporter les productions cinématographiques. La grande famille de Québécois a été le premier grand partenaire à s'associer. Donc, on parle des studios MELS, on parle des studios de TVA, etc. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec des productions spécifiques pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme actions pour vraiment améliorer la situation. Donc, on a déjà quelques projets qui ont été mis en place en 2021 et on va cibler d'autres projets, effectivement, en 2022. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très tangible comme résultat. Et si vous êtes intéressé, on pourra vous envoyer des informations supplémentaires sur le projet. Merci beaucoup. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a un souci, tu sais, peu importe l'industrie dans laquelle on travaille, de voir que toute la transition écologique est prise en compte. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Maintenant, la parole à M. De Souza. Merci, M. le Président. Merci beaucoup pour la présentation. Et puis, j'apprécie, Yvan, les efforts faits par vous et vos services, mais aussi avec tous les partenaires, avec Nathalie, et tous les gens qui vous accompagnent, parce qu'on sait très bien que l'écosystème culturel est très fort à Montréal. Et puis, je pense qu'on a besoin de vous pour passer à travers de cette pandémie. Ma question se relève... pour le dossier du Pointe-à-Calière et l'expansion de phase 3 volet A. Dans le PDI 2022, je remarque que les investissements dédiés à la phase 3 du projet d'expansion du musée Pointe-à-Calière sont prévus à partir de 2027 à la hauteur de 10 millions. Et dans le PDI 2021, un montant de 5 millions a été prévu à partir de 2026. Toujours dans le but de construire la maison des tout-petits. J'aimerais savoir quelle serait la nature d'investissement de 10 millions prévu à partir de 2027. Et encore, est-ce qu'il y a une moyenne qu'on peut d'avancer ces investissements importants? Je reconnais que des efforts
a été faite par le musée Pointe-aux-Calières, mais je suis désolé de voir ce projet reporté dans le temps. Il y a beaucoup de potentiel. Des efforts par les dirigeants de Pointe-aux-Calières a été exemplaire. C'est un de nos meilleurs musées, sinon le meilleur musée à Montréal. Et je trouve que c'est malheureux que quand nous avons un produit qui est, où vous avez tellement de dynamisme par l'équipe de gestion et tellement de potentiel de réalisation, on met le frein sur ça. Donc, je souhaiterais ardemment de voir par quels moyens on peut appuyer l'avancement de ce projet et quand on peut débuter, non pas juste l'école pour les petits, mais avec la caserne, mais aussi tout le restant du projet qui est essentiel. Donc, merci pour votre réponse. Écoutez, effectivement, on connaît tous là, la qualité du travail de Pointe-à-Calière. Puis si Mme Thibault souhaite compléter par la suite, elle pourra la faire au niveau du projet. Nous, pour l'instant, on sait que peu importe ce qui va arriver avec la phase 3 de Pointe-à-Calière, pour lequel des investissements des autres pays gouvernements sont incontournables pour aller de l'avant et pour lequel le musée sont en démarche, on devra rénover et la caserne numéro 1. C'est un lieu fantastique, la première caserne, au cœur du Vieux-Montréal, dans un endroit stratégique important. Donc, on s'est assuré d'avoir ces montants-là. Selon l'évolution et l'avancement des différents projets, incluant celui de Pointe-à-Calière, on pourra devancer ou ajuster le PDI pour répondre à ce besoin. Mais pour l'instant, on n'a pas de date précise dans laquelle le projet phase 3 va démarrer. On n'a pas l'ensemble du montage financier. Donc, on ne bloque pas d'autres projets. On s'assure d'avoir les sommes. On sait qu'on aura des investissements à faire à la caserne numéro 1, mais on pourra s'ajuster selon la réalisation du projet et la forme que ça pourra prendre. Donc, c'est pas, je vous rassure, ce PTI-là ne bloque pas actuellement l'avancement du projet de Pointe-à-Calière ou de tout autre projet pour la caserne. Mais j'aimerais bien entendre aussi Mme Thibault de voir par quels moyens on peut accélérer ce projet. Vous savez très bien que pour autant que la ville était là, mais si effectivement la ville fait des engagements, ça permettra de débloquer des sommes auprès des autres niveaux gouvernementaux. Donc, j'essaie de voir par quels moyens on peut, la ville peut se positionner comme le catalyseur, si je peux utiliser ce terme, ou d'être le point d'ancrage pour un projet qui permettra à la musée de s'en servir de ça, de faire du leveraging, d'y aller chercher et cogner des portes. Je sais que dans le passé, les autres niveaux du gouvernement étaient intéressés, mais ils ont dit, est-ce que c'est une priorité de la ville? Donc, si c'est toujours une question de l'œuf à la poule, on finira jamais. Et je souhaite ardemment voir par quel moyen, si la ville se positionne en disant que oui, c'est un dossier prioritaire, mais ça permettra le musée d'avoir des ventes dans ses voiles, cogner des portes, chercher les financements et accélérer cette nouvelle expansion. Oui, il y a une autre stratégie. Vous allez m'avertir, mais moi, de tous les échos que j'ai eus, je trouvais que ça, c'est une des façons dans laquelle la ville peut jouer vraiment un rôle de moteur de développement culturel dans cette démarche. S'il y a une autre stratégie, partagez ça avec nous. Mais sinon, dites à nous comment on peut mettre ça sur l'avant-plan au lieu sur l'arrière-plan. Merci beaucoup, M. de Souza. Est-ce que j'ai quelques minutes, ou en tout cas, j'essaie d'être très, très rapide pour essayer d'intervenir? D'abord, merci beaucoup de l'intérêt à la fois du service de la culture pour le projet de l'avoir inscrit au PDI. Et merci, M. de Souza, de votre intervention. Alors, depuis mon arrivée en poste en 2021, j'ai été très active auprès notamment de la Ville de Montréal avec plusieurs élus pour présenter le projet, également aussi au niveau des différents fonctionnaires qui travaillent et qui sont en lien là avec Pointe-à-Calière, avec le service de la culture. Il y a eu un intérêt marqué et la mairesse nous a donné l'année dernière le go, si on veut, pour aller présenter le projet au provincial, au fédéral. Donc, on a avancé du côté du provincial beaucoup. Fédéral, c'est un petit peu ralenti avec le lancement de la campagne électorale au mois d'août, mais on le reprend en janvier. Alors, le provincial a démontré un intérêt
important pour le projet et ils nous ont indiqué qu'ils voulaient le placer dès 2023 au PQI. Alors moi, mes prochaines actions, M. de Souza, M. Fillon, c'est vraiment de revenir vers la ville. Donc, je prévoyais le faire là, dès le mois de janvier pour justement aller chercher un appui de la ville pour nous aider à confirmer ce projet-là avec le gouvernement du Québec. Et là, on avance dès fin janvier avec le fédéral, une rencontre déjà prévue avec le ministre du Patrimoine, donc en janvier, pour placer le projet. Il y a certains avancements aussi qui ont été faits au niveau de Patrimoine Canada, là, avec l'équipe de fonctionnaires et la direction générale. Alors, le projet avance bien et on sent que dans la relance économique, le projet se place très bien. Donc, il y a une grande ouverture. Alors, ce qu'on espère, nous, c'est de pouvoir démarrer le projet en 2023 pour une finalisation en 2027. Donc, ce sont les espoirs que nous avons en ce moment. Et nous allons poser les gestes pour aller chercher cet appui-là. Et je voudrais juste ajouter au niveau, justement, de la maison des tout-petits, simplement vous dire que on a remarqué, nous, en 2021 particulièrement, une hausse marquée de la fréquentation famille et enfants au musée. Les petits de 5-12 ans, on a battu des records de fréquentation au niveau de ce tranche d'âge-là. Donc, on voit, alors on bat des records dans une situation où on est vraiment en recul important au niveau de la fréquentation. Alors, il faut voir qu'il y a vraiment un besoin au niveau des tout-petits et des enfants là, pour des activités culturelles. Voilà, merci beaucoup. Et en complément d'information, ce travail-là se fait collaboration, bien sûr, avec l'équipe du patrimoine qui ont le plan de réflexion sur l'ensemble du Vieux-Montréal. Donc, il faut intégrer la réflexion d'Apastrois et du terrain dans ce contexte avec nos collègues du patrimoine. Excellent. Merci beaucoup. Et non seulement qu'on suit ça de près, mais on vous souhaite tout le succès d'avoir par quel moyen ce projet pourrait se concrétiser et d'avancer. Donc, merci et puis bon succès. Merci, M. le Président. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gratton. Oui, merci. Monsieur le Président, bonjour Monsieur Fillon, bonjour à votre équipe. Aux pages 28 et 29 de votre présentation, vous aviez mentionné qu'il y a eu une diminution du nombre de semaines pour le traitement des demandes de contributions financières des différents programmes offerts par les services. Un traitement plus rapide a certainement eu un impact sur les organismes. Donc, quels auraient été ces impacts pour les organismes? Puis, est-ce qu'on sera en mesure de maintenir ces courts délais de traitement en 2022? Bien, finalement, ce que ça nous permet de faire dans ceux qui ont, ben, l'ensemble qui ont diminué, c'est de faire en sorte qu'on peut donner une réponse plus facilement et plus rapidement, surtout auprès des organismes. Donc, c'est vraiment pour eux important de savoir s'ils ont un financement plus tôt qu'à tard. Donc, ça, c'est un impact positif. Dans le cas d'un programme comme Agir, qui est un tout nouveau programme au cours de l'année 2021, qu'on a dû mettre en place autant au niveau de la livraison que de sa réalisation puis de sa conception. C'était pour la relance du centre-ville pendant la période estivale et on a eu les confirmations des sous-cours du printemps. On ne pouvait pas se permettre d'étirer le temps et de faire en sorte qu'on rate notre lancement au cours de juin. Et les organismes là, culturels, c'était la même chose au CAM et autres, ont tous eu ces enjeux-là. On a mis sur pied une table de concertation pour s'assurer qu'on travaille tous dans la même direction. Fait que l'impact a été qu'on était en mesure là, de mettre sur pied ces programmes-là et répondre plus rapidement aux organismes. Oui, on est confiant d'être... souvent, hein, c'est un gain, puis après ça, ben on a revisé nos processus, on a fait du Lean Six Sigma dans certains cas, on a acquis une certaine agilité, puis on espère même de pouvoir l'améliorer l'année prochaine. Excellent, c'est de bonnes nouvelles. Merci. Merci, M. Gratton. M. Ouellet. Merci. Oui, OK. Je pensais que tu n'avais pas ouvert mon micro. Bon, allez-y, M. Ouellet. Merci pour la présentation. En fait, un commentaire, là, vous l'avez mentionné, là, bon, vous êtes en lien évidemment avec le bureau du cinéma. Parce que l'année passée, dans mon arrondissement, il y a eu beaucoup de difficultés là, avec des permis émis, des fois par mon propre arrondissement, mais qui ont causé des problèmes de circulation épouvantables, pas aux heures de pointe, bon, une fois dans Parkex, une autre fois dans mon district. Je veux dire, on a un nouveau logiciel là, Agir là, pour la gestion des chantiers. Il faut vraiment là, que le bureau du cinéma, on veut évidemment leur laisser, là, on veut être le plus accueillant à Montréal, là, je pense, l'industrie du cinéma, la télévision, c'est vraiment important. Il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment là, de,
finalement, des citoyens et surtout de la planification, des fois assez complexe, là, qu'on a au niveau de nos propres chantiers. Donc, juste un petit mot courtois pour commencer. Oui, ben effectivement, on est au courant de l'enjeu, mais de façon générale, c'est un élément important. Et je vous dirais que c'est particulièrement plus difficile parce que l'arrondissement a aussi un rôle à jouer lorsque le tournage se déroule à la jonction de deux arrondissements. Donc, nous, on doit vraiment faire attention que les deux arrondissements soient bien informés et pas juste le début du tournage, mais également à la fin sur le même segment de rue. Donc, merci du rappel. Merci beaucoup. Donc, cela termine notre premier tour de table des commissaires. On a commencé la question du public à 9h58. Donc, si on rajoute les 20 minutes du public et les 20 minutes des élus, cela se terminera à 10h38. Donc, on a encore quelques minutes pour un deuxième tour de table des élus. Je laisse donc la parole à Madame Sigouin. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souligner une initiative qui a été faite dans mon arrondissement par la division de la culture et l'équipe de la Maison de la culture Marie-Huguet durant la pandémie où on en parlait tout à l'heure, plusieurs prestations, événements que des artistes, des collectifs étaient en programmation, ne pouvaient plus se faire. Et donc, on a commencé à mettre en place des résidences de création qui ont eu un énorme succès, qui ont été fort appréciées autant par les artistes que par les citoyens. Je me demandais si cette idée-là, enfin, j'entends que ça crée de l'intérêt. Est-ce que cette idée-là pourrait être soutenue par le service de la culture pour faire des petits, peut-être ailleurs dans d'autres arrondissements et même au-delà de la pandémie? Mais effectivement, on a cette réalité-là, on la retrouve dans d'autres arrondissements qui ont mis leurs équipements en disponibilité des artistes qui avaient besoin de ces lieux-là. Fait qu'on a fait des fois, nous, le lien entre des besoins qui nous étaient énoncés par des organismes sur des regroupements d'artistes et des arrondissements. Puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'il faut optimiser. Indépendamment de la pandémie, mais particulièrement pendant la période de pandémie, parce que nos installations sont disponibles plus longtemps. Et puis ça, c'est permis, parmi les conditions sanitaires, de pouvoir faire des résidences en public. Donc, c'est une excellente initiative là, qui a aidé le milieu. Excellent. Merci de souligner. Contente de voir qu'il y a une volonté là, du côté des services centraux. Merci. Si je peux me permettre d'ajouter, Madame Sigouin, on a justement en partenariat avec Accès Culture et les arrondissements, deux résidences de création déjà qui sont en place pour les nouvelles musiques et pour la danse. Donc, évidemment que ça va se poursuivre. Et c'est quelque chose, au Conseil des arts, on soutient énormément de résidences, que ce soit dans les milieux scolaires, parfois même les milieux hospitaliers et dans les maisons de la culture. Mais définitivement, ça a été un point important et on remercie beaucoup les maisons d'avoir mis ça en place. Cette opportunité-là pour des artistes de pouvoir poursuivre leur travail de création. C'est plus d'une centaine de résidences. C'est fort heureux que le CAM participe à ça aussi. Merci, Mme Maï. On parle plus d'une centaine de résidences qui auraient eu lieu durant l'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela termine notre deuxième tour de table des élus commissaires. Je vois que nous avons deux élus. Non membres de la commission. Je vous salue, messieurs Corville et Sasseville. Bienvenue à la commission. On va commencer avec la question de monsieur Corville et on verra ensuite avec le temps qui reste pour si on peut en poser une seconde. Donc, monsieur Corville, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le président. Donc, je veux remercier monsieur Filion et madame Gazot. J'ai une petite question sur la bibliothèque. Est-ce que dans le plan stratégique 2020-2024, bien 2020-2023, est-ce qu'il y a d'autres chantiers en termes de bibliothèque qui sont prévus? Parce que quand on voit rénovation, agrandissement et construction, on a seulement 353 733 000. Et nous savons que nos bibliothèques mériteraient un cure de rajeunissement et de jouvence. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Parce que je n'ai pas vu dans la liste des projets le projet de la bibliothèque de Villeray.
Oui, ben oui. Ça, si on fait une règle de trois, là, souvent un projet de bibliothèque, c'est autour de 40 millions. Fait que ça vous donne une idée de ce qu'on est en mesure de faire. Fait que 2023, selon le calendrier là, du PDI, et sous réserve des instances et de l'avancement des dossiers, c'est le projet du Sud-Ouest qui serait le prochain. Et en 2024, on serait à deux projets, ceux de Saint-Léonard et ceux de Valérie-Saint-Michel par extension, qui seraient les suivants, pour laquelle on a des budgets de PDI prévus, pour laquelle les DAP A et B ont déjà été franchis, donc des étapes administratives, il resterait à aller chercher les mandats d'exécution. Par la suite, on a des sommes pour d'autres projets. Il y a plusieurs besoins dans la ville, mais on va attendre un petit peu plus loin dans un an ou deux avant de planifier les autres là pour s'ajuster aux besoins. Mais oui, c'est prévu, et ces projets-là et d'autres, jusqu'à la fin du PDI. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si Dominique, si vous vouliez ajouter quelque chose, c'est bon? Mais dire que c'est ça, on a prévu finalement de partir un projet quasiment tous les ans dans les prochaines années. Donc, ça se poursuit. Merci beaucoup. On a dépassé le temps imparti. Monsieur Sasseville, je vous demanderai d'être concis dans votre question. Je vous laisse la parole. Votre micro, Monsieur Sasseville, je crois. J'ai dit merci, Monsieur Fillion, pour votre excellente présentation et puis pour tout le travail que vous faites. Moi, j'aimerais vous parler d'un dossier qui me tient à cœur, qui est celui de la Bibliothèque Saint-Sulpice, parce que je remarque que dans le PDI 2022, la fiche contribution BANQ a disparu. Cette fiche-là, dont les investissements s'élevaient à 11 millions en 2021 et 2023 dans le PDI précédent était dédié au financement du projet de construction puis de rénovation de la bibliothèque Saint-Sulpice. Est-ce qu'on doit comprendre que le projet de rénovation de construction de cette bibliothèque est mis sur la glace? Puis si c'est le cas, quelles en sont les raisons? C'est quel projet qui est retenu pour la bibliothèque Saint-Sulpice? Puis concernant les enjeux de vétusté du bâtiment, la ville compte-t-elle investir sur le court terme? Puis à quelle hauteur? Merci pour la question. Donc, d'une part, il faut bien voir que c'est une responsabilité du ministère de la Culture, l'édifice Saint-Sulpice, et partagé maintenant avec une société d'État, BANQ. Au moment où le projet d'incubateur bibliothèque pour adolescents, pour lequel on avait prévu du budget puis dans le cadre de l'entente de développement culturel, le gouvernement a décidé de ne pas aller de l'avant avec ce projet-là. On a, nous, effectivement, retiré les sommes puisqu'il y a pu, pour avoir des sous PDI, il faut qu'on ait un projet. Puis actuellement, il n'y a pas de projet officiel sur la table. On sait que le gouvernement travaille activement à une nouvelle vocation du centre. Ouais. On a beaucoup entendu parler de la maison de la chanson francophone avec Mme Giroux, M. Plamondon. Est-ce que c'est ce projet-là qui va se réaliser ou pas? On ne le sait pas actuellement. Il y a des discussions qui sont en cours. Au moment où le gouvernement a pris position sur sa proposition, dans le cadre de l'entente, ils vont nous faire à nous une proposition. Et si ça nous convient, on pourrait effectivement soit rajouter du financement ou utiliser le financement qui est déjà prévu dans le cadre de l'entente de développement culturel. Le premier 17 millions qui était versé pour le projet de Saint-Sulpice, il y en a à peu près 4 d'utiliser. Fait que déjà là, on a 13 millions qui, entre guillemets, dorment dans les coffres qui sont prêts à être utilisés pour lancer le projet. Donc, on est en mesure là, de pouvoir se retourner relativement rapidement. Et puis, le gouvernement a alloué à BANQ une somme, enfin, équivalente aux besoins de rénovation urgents pour la toiture, qui a permis à la Société d'État de se réassurer, ce qui est un enjeu. Parce que pour nous, au moment où on avait travaillé au développement du projet d'incubateur de bibliothèque pour adolescents, mais au moment où ce projet-là allait plus de l'avant, on a dit il faut rénover la bibliothèque Saint-Sulpice, c'est un élément essentiel de la relance du quartier latin, et on souhaite que ce soit un équipement culturel qu'on y retrouve. Merci pour votre réponse. Maintenant, si vous permettez, Monsieur le Président, je veux juste souligner ce que je crois être une coquille à la diapositive 53 où on prévoit pour le projet de hub du projet du quartier des spectacles une mise en service en 2025, alors que quand on regarde la diapositive numéro 68, on voit qu'il y a un nouvel étalement des sommes d'investissement qui ferait en sorte que le projet serait plutôt réalisé en 2027. Je pense qu'il y a une erreur de date, là.
Ben, disons que l'ensemble du projet pourrait ouvrir dans la première date, mais on aurait des investissements supplémentaires en termes technologiques qui pourraient arriver par la suite. Donc, on est allé en deux étapes. Donc, la construction du hub et sa fonctionnalité et une bonification des équipements un petit peu plus tard. Parce que les investissements sont quand même assez importants. Effectivement. Excusez-moi, M. Sasseville. Oui, ben, merci d'avoir soulevé la potentielle coquille. On va valider. pourront vérifier. On a dépassé le temps imparti pour la séance. On doit se rappeler qu'on siège matin, midi et soir aujourd'hui. Donc, je dois être particulièrement à cheval sur le temps, si on veut, s'en sortir, nous, les commissaires. Donc, merci. Cela termine la période d'échange des élus et des commissaires sur les services. Je tiens à remercier encore une fois Mme Alnéus pour sa présentation avec M. Filion. Je tiens aussi à remercier Mme Maillé, du directeur général du Conseil des Arts, Mme Thibault, directeur général du Musée Pointe-à-Calière, pour votre présence. On a pu parler un petit peu de vos services, pas autant qu'on l'aurait souhaité, bien sûr, mais c'est notre drame à la Commission. Merci tout le monde. Donc, nous allons maintenant prendre une pause de 10 minutes pour ensuite poursuivre avec la présentation du service de la diversité et de l'inclusion sociale qui débutera donc à 10h55. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.
parti. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai encore ma sécheuse, hein? J'ai oublié de la mettre sur pause, sincèrement désolé. Donc, on poursuit l'étude du budget avec le service de la diversité et de l'inclusion sociale. Ce service est sous la responsabilité politique de Mme Joséphina Blanco, qui est responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif. Elle est aussi accompagnée de Mme Bastien, qui est directrice du service de la diversité et de l'inclusion sociale, qui fera la présentation aujourd'hui. Mme Blanco, je vous laisse la parole et je vous rappelle que vous avez un total de 20 minutes pour la présentation de vos services. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les commissaires, chers citoyennes et citoyennes, équipe du service de la diversité et l'inclusion sociale, ma collègue Despina Sourias. Je suis très, très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour la présentation du service de la diversité et l'inclusion sociale. Je suis, comme je disais tout à l'heure, accompagnée par ma collègue Despina Sourias, avec qui je travaille de façon très, très étroite. Vous savez, les SDIS a un rôle essentiel en lien avec les enjeux majeurs qui touchent les Montréalais et les Montréalais. Les professionnels du service travaillent sans relâche et avec dévouement pour lutter contre les inégalités sociales, lutter contre la pauvreté et l'exclusion, s'assurer d'une meilleure intégration des personnes immigrantes et des nouveaux arrivants, assurer une plus grande accessibilité universelle et j'en passe. Nous travaillons fort pour assurer que toutes et tous soient en sécurité dans la métropole, pour que tous puissent s'épanouir et contribuer pleinement à la vie montréalaise, le tout dans une approche ancrée dans les droits de la personne. Les deux dernières années avec la pandémie n'ont pas été de tout repos. Les inégalités et les problématiques sociales ont été grandement exacerbées, on ne va pas le dire jamais assez. L'SDIS est au front pour répondre aux besoins des plus vulnérables de notre communauté et c'est bien sûr en concertation avec notre partenaire. Dans la dernière année, des grandes réalisations ont été faites. Je tiens à souligner d'ailleurs le travail incroyable de ma collègue Nathalie Goulet, qui est aujourd'hui commissaire et qui est parmi nous, ainsi que le travail fait par Cathy Wong. Et de tous les professionnels, bien évidemment, du service de la diversité et de l'inclusion sociale sur ces importants dossiers. Et quelques dossiers pour nommer quelques-unes, l'adoption de la politique montréalaise pour l'action communautaire et du plan de l'action de la diversité et inclusion sociale, le renouvellement de l'entente entre la ville et le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI, pour la période de 2021 et 2024 à la hauteur de 12 millions de dollars, la création du Fonds Diversité et Inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables, le déploiement de l'équipe de projet pilote équipe mobile en médiation sociale, plus connue, on entend plus souvent parler de l'équipe EMIS en ce moment, qui est en action principalement dans Ville-Marie, mais dans d'autres secteurs si les besoins sont là. La bonification aussi du programme de prévention de la violence subie et commise chez les jeunes dans le nord-est de la ville pour combattre les violences armées, pour nommer quelques exemples. Je suis également très, très fière de notre budget 2022. Nous respectons nos engagements et on se donne les moyens d'intensifier nos actions, de mieux soutenir les organismes communautaires et de leur donner une plus grande prévisibilité, ce qui est très, très nécessaire. Donc, nous doublons le budget dédié aux organismes communautaires en itinérance qui passe de 3 millions à 6 millions. Nous doublons également le budget dédié à la prévention de la violence subie et commise chez les jeunes et à la sécurité urbaine qui passe à 5 millions de dollars. Deux postes en ADS+, ont été rendus permanents à la ville et un troisième poste temporaire a été aussi ajusté. Pardon pour celles qui nous entendent, ADS+, analyse différenciée selon les sexes et plus. Sûrement, Mme Nadia Bastien va nous en parler peut-être tout à l'heure. On se donne également un budget au PDI pour intervenir dans les quartiers les plus défavorisés. Bref, ce budget nous donnera
plus agilité pour continuer notre travail aux côtés de notre partenaire pour que tout le monde ait sa place à Montréal. Sur ce, je cède la parole à Madame Nadia Bastien, directrice du service de la diversité et de l'inclusion sociale. Merci beaucoup. Merci Madame Blanco. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de commencer la présentation, je tiens à mentionner la présence de quelques membres du comité de gestion du S10. Alors, Marie-Christine Ladouceur-Girard, Marie-Josée Meilleur, Ramona Zanfrognon, Thibault Camara, et également la présence de Serge Larroux, commissaire aux personnes en situation d'itinérance, qui vont m'accompagner pour la période des questions. Alors, je commencerai par rappeler la mission du S10, la mission du service de la diversité et de l'inclusion sociale, qui est d'œuvrer de concert avec ses partenaires. Donc, ce sera la prochaine diapo. D'œuvrer de concert avec ses partenaires pour que chaque personne ait sa place à Montréal, quel que soit son statut, son identité, son origine ou ses capacités. C'est une mission qui se réalise à la prochaine diapo, donc grâce à 4 unités qui sont représentées ici. Donc, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants qui crée des conditions qui permettent d'accélérer les processus d'intégration de ces personnes. La Division d'équité et de lutte contre les discriminations qui favorise le respect des droits fondamentaux. La Division réduction des inégalités et milieu de vie inclusif qui atténue les facteurs qui contribuent à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Et enfin, la Division intelligence d'affaires sociales et optimisation qui travaille à acquérir, vulgariser, valoriser et partager des données sociales. Comme vous pouvez le voir à la prochaine diapo, la structure du S10, donc notre organigramme, est le même cette année que celui de 2021, avec un total ajouté quand même de 53 AP, dont je vais vous parler un peu plus tard dans la présentation. Je passerai maintenant aux faits saillants 2021, donc à la prochaine diapo. Les faits saillants sont donc présentés en fonction de 5 grands enjeux du service. Le premier, renforcer le virage de l'inclusion sociale. Je ne peux pas passer sous silence l'adoption du tout premier plan d'action solidarité, équité et inclusion 21-25 qui intègre toutes les actions de la ville en matière d'inclusion et de diversité. Également, comme Mme Blanco l'a mentionné, l'adoption de la toute première politique montréalaise pour l'action communautaire qui ouvre vraiment d'importantes perspectives dans les relations partenariales de la ville avec les groupes et les regroupements de l'action communautaire. Le deuxième enjeu en termes de lutte contre les discriminations, alors l'ADS+, l'obligation de tenir compte de l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle dans toutes les décisions des instances et dans la priorisation des projets d'infrastructure qui sont financés à travers le PDI. C'est une étape très importante dans nos décisions et dans le facteur d'inclusion. Également, la mise en œuvre du chantier en accessibilité universelle avec une gouvernance participative et une vaste collecte de données qui a été faite auprès de l'ensemble du personnel municipal et qui a connu un bon taux de participation avec 27 groupes de discussion auprès d'une quarantaine d'unités d'affaires et un sondage auquel ont répondu plus de 4000 personnes de l'ensemble de la ville. Toujours en termes de lutte contre les discriminations, du soutien financier à plusieurs projets communautaires qui favorisent l'inclusion des enfants et des jeunes, c'est plus de 200 projets qui ont été soutenus à hauteur de 5,7 millions uniquement en 2021. Troisième enjeu, la réduction des inégalités, le déploiement des services d'hébergement d'urgence, de mesures alimentaires, de projets de médiation et de cohabitation sociale pour faciliter la prise en charge des personnes en situation d'itinérance. Ça représente un investissement de près de 3 millions et je tiens à mentionner que cet investissement ne tient pas compte des investissements supplémentaires qui ont été réalisés via le Centre de coordination des mesures d'urgence dans le contexte de la pandémie. En matière de sécurité urbaine, le renforcement des actions en prévention, on a eu un budget bonifié de 1,4 million en 2021 qui ont permis de favoriser des actions en prévention de la violence commise et subie par les jeunes dans 4 arrondissements du Nord-Est. En termes d'insécurité alimentaire, c'est un enjeu qui perdure malheureusement à Montréal, donc des investissements de 2,2 millions sur 2 ans à 10 projets d'envergure qui ont été réalisés dans le cadre d'un fonds régional conjoint avec la Direction régionale de la santé publique. C'était une première également. Et un appui financier à la plus grande banque alimentaire au pays, j'ai nommé Moisson Montréal, qui a bénéficié donc d'un soutien de 374 000 sur 2 ans. Le quatrième enjeu à la prochaine diapo est donc l'accélération de l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes et racisées. Enjeu très important. Alors, on a parlé tout à l'heure du renouvellement de l'entente avec le MIFI à hauteur de 12 millions pour les 3 prochaines années.
Également, le projet Dialogue avec le quartier chinois qui contribue à la relance inclusive de ce quartier et qui vise également la lutte contre le racisme. Donc, 3 événements numériques qui ont rejoint près de 115 participants pendant la période du Nouvel An chinois. Un forum économique qui a rejoint près de 340 participants et une exposition réalisée avec le Musée Mémoire des Montréalais intitulée « Dialogue avec la communauté sino-montréalaise ». Enfin, l'évaluation approfondie des programmes réalisés dans le cadre de la précédente entente, donc l'entente 18-21 avec le MIFI, qui a été faite sur les trois principaux programmes de l'entente, donc la stratégie Montréal inclusive au travail, les territoires d'inclusion prioritaire et le programme Montréal inclusive. Dernier enjeu, non le moindre, l'élaboration d'une intelligence d'affaires en social. Alors, il y a eu la mise en action d'une division pour affiner la connaissance par des données désagrégées pour bien adapter les programmes municipaux en fonction des réalités sociales changeantes sur le territoire. Et enfin, l'utilisation accrue de l'outil de gestion et de suivi des subventions, communément appelé le GSS, par lequel 32 appels à projets ont été créés, 143 projets financés et 114 organismes soutenus. Je poursuis à la prochaine diapo sur les indicateurs suivis plus régulièrement par le service. Je vais vous présenter en fait les résultats de 2021, les cibles de 2022, mais je vais attirer votre attention sur 3 indicateurs dont nous sommes particulièrement fiers. Alors, à la prochaine diapo, vous pouvez voir que 42% des projets soutenus par le S10 l'ont été sur une base pluriannuelle. Ça correspond à un engagement municipal de favoriser le développement de projets pérennes et donc on compte maintenir la cadence en augmentant la cible pour l'année prochaine à 50%. Également, en termes de taux de couverture auprès des organismes communautaires, c'est 85% des organismes qui sont recensés par le service 211 qui sont désormais dans l'outil de gestion et suivi des subventions et qui ont un compte dans le GSS. À la prochaine diapo, en termes de représentativité, 67% des nouveaux employés du S10 ont déclaré appartenir à un groupe de minorités visibles ou ethniques. Donc, on a largement dépassé la cible qui était initialement fixée à 50% pour atteindre donc 67% pour les nouveaux employés. Je passerai maintenant à la section sur l'évolution budgétaire. Alors, en termes pour l'évolution du troisième trimestre 2021, comme vous pouvez le voir, le déficit anticipé est de 11 millions. Mais je vous dirais qu'il est principalement attribuable à des budgets qui sont reportés sur des ententes qui couvrent plusieurs années. Donc, on parle de l'entente MTES, l'entente avec le MIFI, l'entente avec la légalisation pour la légalisation du cannabis, qui se répartissent effectivement sur plusieurs années. Puis vous pouvez voir à la prochaine diapo qu'en contrepartie, en termes de dépenses, le service prévoit également un surplus équivalent de 11 millions qui est attribuable encore aux ententes qui se chevauchent sur plusieurs années. Il y a également 1 million qui est attribuable au plan de marge de manœuvre et donc pour un total de 12 277. Je continue avec les objectifs de 2022 du S10 qui sont illustrés dans cette diapo par un symbole infini, donc qui se renforce en continu autour de 4 grands axes. Le premier, anticipé, donc par l'analyse des tendances et des données sociales. Planifier, donc c'est tout ce qu'on fait en termes d'élaboration de programmes, d'initiatives, de concert avec les partenaires, tant internes qu'externes. Agir, donc mettre en œuvre des projets structurants en réponse aux enjeux sociaux. Et enfin, évaluer, question de s'assurer de l'atteinte de l'impact escompté de l'ensemble de nos initiatives et de faire les ajustements qui peuvent s'avérer nécessaires. De manière plus détaillée pour chacun d'entre eux, donc les engagements dans l'axe anticipé, la poursuite du chantier en accessibilité universelle et donc finaliser le diagnostic, mais également mettre en œuvre les recommandations qui vont en émaner. Développer un pôle de données sociales afin de valoriser et de partager l'intelligence des données sociales. Développer un outil de visualisation interactive des données sociales. Élaborer des indicateurs pour mieux identifier les besoins spécifiques de la population. Dans le prochain axe, planifier, on a la définition d'une approche proactive et effective de lutte contre les discriminations, l'actualisation de l'analyse des besoins dans le cadre du renouvellement de l'entente de lutte contre la pauvreté qui va prendre fin en 2023 et pour laquelle on devra donc actualiser l'analyse des besoins. Également, élaborer une stratégie montréalaise en réduction des méfaits et poursuivre l'implantation de l'ADS+ dont nous avons parlé précédemment.
rapidement dans l'axe agir, donc le renforcement des organismes communautaires pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, lutter contre la pauvreté, également maintenir l'appui en matière de sécurité urbaine pour la prévention de la violence commise et subie par les jeunes, déployer le programme quartier intégré et résilient dont je vous parlerai un peu plus tard, déployer la stratégie Montréal inclusive au travail dans qui contribue à l'inclusion en emploi des personnes immigrantes, consolider des projets au bénéfice des migrants à statut précaire, poursuivre la phase d'occupation transitoire de la Cité des Hospitalières et enfin débuter la planification du programme Boîte de bienvenue bébé. Je terminerai les objectifs prioritaires en 2022 sur l'évaluation pour laquelle on compte bien poursuivre la stratégie de suivi et d'évaluation des initiatives en diversité et d'inclusion pour s'assurer que celle-ci demeure en phase avec les besoins de la population montréalaise. Je poursuis donc maintenant avec la présentation des principaux écarts entre le budget 2022 et 2021. Alors, au total, l'écart entre ces deux budgets est de 7,5 millions et il s'explique principalement par une bonification de 3,9 millions à trois programmes en matière de sécurité urbaine, donc le programme de prévention de la violence commise et subie par les jeunes, le programme d'action communautaire et citoyenne, communément appelé le programme Tandem, et la poursuite du projet pilote EMIS. Également, un ajout de 3 millions dont Mme Blanco a parlé tout à l'heure pour la lutte contre l'itinérance et également la participation à l'équilibre budgétaire pour un montant de 600 000. Je continue avec la variation de l'effectif par rapport aux catégories d'emploi. Donc, vous pouvez voir une variation de 3 AP, principalement pour 2 postes en ADS+, qui ont été rendus permanents, et un troisième poste qui a été créé de manière temporaire, mais ces 3 postes sont financés par le budget de fonctionnement du service. Je passerai maintenant rapidement à la section sur le programme décennal d'immobilisation. Alors, nos réalisations en 2021 dans le cadre de ce programme, un total pour près de 3,5 millions qui ont été octroyés pour des infrastructures municipales plus accessibles, plus sécuritaires, plus ludiques, avec une attention particulière pour les personnes et populations à risque d'exclusion, soit les enfants, les personnes aînées et celles qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Concrètement, dans le cadre du programme MADA-AU, près de 2 millions qui ont été octroyés pour l'amélioration, l'aménagement d'infrastructures municipales qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes aînées et de rendre les installations plus accessibles. Donc, des investissements en 2021 à 10 nouveaux projets dans 8 arrondissements différents que vous pouvez voir listés ici. Dans le cadre du deuxième programme d'aménagement urbain enfants et familles, également près de 2 millions qui ont été octroyés à 11 nouveaux projets dans 8 arrondissements différents. L'intention est de transformer les espaces publics, de transformer les espaces scolaires en des lieux animés, actifs, ludiques et donc de favoriser une trame urbaine qui favorise l'appropriation de l'espace par les enfants. En termes de priorité pour les prochaines années, donc à la prochaine diapo, optimiser le suivi avec les arrondissements pour assurer la réalisation des projets en respectant l'échéancier prévu. Également, de finaliser les projets octroyés et surtout de développer des nouveaux appels à projets, tant pour le PAU que pour le programme MADA-AU. Rapidement, parmi les priorités pour les 10 prochaines années dans ce programme, je tiens à souligner l'ajout du programme Quartier intégré et résilient 2030 pour un total de 26,6 millions dans les 10 prochaines années. Donc, c'est un nouveau programme qui s'ajoute et qui va permettre, en collaboration avec d'autres services municipaux, avec les arrondissements également, de mettre l'accent sur l'ajout ou l'amélioration d'infrastructures dans des quartiers à forte concentration de facteurs de vulnérabilité. Donc, on parle autant de vulnérabilité sociale, économique, culturelle ou environnementale, afin d'offrir à la population des milieux inclusifs, sûrs et répondant aux besoins. Alors, c'est ainsi que se termine la présentation. Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention et donc on demeure disponible pour la période des questions. Merci beaucoup, Madame Bastien, pour votre présentation et vous avez réussi à être très concise malgré l'ampleur de votre service. Donc, merci beaucoup pour cet effort-là. Nous allons donc entamer la période de questions du public. Nous avons 3 citoyens qui nous ont envoyé des questions. Les questions seront aussi copiées-collées dans le clavardage. Donc, la première vient de M. Jérôme Saunier. En quoi consiste le nouveau programme MADA Accessibilité universelle 2023-2025? Pourquoi si peu de projets sont-ils financés dans seulement quelques arrondissements malgré l'ampleur des besoins en accessibilité universelle à Montréal?
les ressources humaines et financières du service, que ce soit dans le budget du PDI, sont-elles suffisantes pour mener à bien sa mission en matière de lutte contre le capacitisme, notamment en ce qui concerne l'accessibilité universelle? Voilà pour la question, Madame Bastien. Je vous laisse répondre, vous ou des membres de, vos, de votre équipe. Excusez-moi, je cherchais le bouton de micro. Merci pour la question. Alors, pour le programme Municipalité Accessibilité Universelle à Montréal, en fait, pour l'ensemble des programmes en matière de PDI, on fonctionne par appel à projet auprès des arrondissements qui donc nous soumettent, nous déposent des projets qu'ils souhaitent pouvoir accompagner la réalisation, donc de leur aménagement plus accessible dans les quartiers. L'intention qu'on a pour les prochaines années, puisque la question porte davantage sur les années 23-25, si j'ai bien compris, c'est de procéder donc d'ici la fin de cette année à un nouvel appel à projet qui permettra, on l'espère, à davantage d'arrondissements de venir déposer des projets. Je rappelle également que la portion de ce programme MADA AU souvent sert à venir compléter des projets de rénovation ou d'aménagement qui se font déjà dans des parcs ou dans des lieux publics dans les différents arrondissements et qui viennent permettre de venir renforcer tout l'aspect de l'accessibilité universelle des infrastructures utilisées par les citoyens, que ce soit des citoyens âgés, je m'excuse, ou des enfants. Enfin, les ressources humaines et financières du service pour le budget du PDI sont-elles suffisantes? Je veux juste rappeler que dans le contexte du PDI MADA AU, le service n'agit pas à titre d'exécutant pour la réalisation de ces projets-là. Ce sont vraiment les arrondissements, les équipes des arrondissements qui déploient ces programmes-là. Donc, je dirais que c'est un effort combiné pour la réalisation de ces programmes-là. La lutte contre le capacitisme demeure un enjeu majeur et je vous dirais que là-dessus, il y a aussi le chantier en accessibilité universelle qui va nous permettre de faire des pas importants en matière de lutte contre le capacitisme, de venir voir comment dans nos processus municipaux, comment on peut faire en sorte de s'améliorer en matière de prise en compte des enjeux vécus par les personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Merci, Mme Bastien, pour votre réponse. Deuxième question du public de Mme Hélène Breton. Bonjour, je suis étonnée de voir que la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones n'est pas dans votre présentation budgétaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Pouvez-vous nous confirmer qu'il y aura des montants dès 2022 dédié à ce plan? On dirait que cette année-là nous fait peur. Là, quand on dit 2022, il y a comme des blocages inconscients. Désolé pour mon erreur de lecture. Madame Bastien, je vous laisse répondre. Parfait. Alors, je vais répondre très rapidement. La stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones demeure une priorité pour la ville. Néanmoins, cette stratégie-là relève du Bureau des relations gouvernementales et municipales, le BRGM, dont la présentation, je pense, a été faite un peu plus tôt cette semaine en lien avec la direction générale. Naturellement, le service de la diversité et de l'inclusion sociale y contribue parce qu'il y a énormément d'enjeux en lien avec la lutte contre les discriminations, également avec l'itinérance qui se retrouvent dans cette stratégie. Mais c'est pour cette raison que vous n'y voyez pas davantage d'éléments dans le contexte de la présentation budgétaire du S10, le tout se retrouvant dans celle du BRGM. Voilà. Merci beaucoup. Et dernière question du public de M. Pierre Pagé de l'Organisme Montréal pour tous. Merci. Bonjour, merci de vos travaux. Pourriez-vous nous fournir un aperçu et un tableau synthèse des augmentations de budget et PDI pour la prévention de la violence dans toute la ville? Ceci afin de comparer les augmentations du service de la police, car il y a beaucoup de montants ici et là, mais pas un total. Voilà pour la question citoyenne. Madame Bastien. Alors, peut-être juste une petite précision. Effectivement, on pourrait présenter les variations au budget. Néanmoins, c'est tout ce qui touche à la sécurité urbaine et tout ce qui touche à la prévention de la violence. Donc, comme vous avez pu le voir, le S10 bénéficie de sommes supplémentaires dans son budget 2022 pour y répondre. Ce ne sont pas des sommes au PDI, par contre, ce sont des sommes en budget de fonctionnement du service. Donc, pour l'année 2022, c'est près de 5 millions dont nous allons avoir pour agir davantage en matière de prévention
Ça, c'est au niveau du service. Maintenant, s'il faut, pour les comparables, j'ai pas sous la main tous les documents pour les comparables, mais ce sont évidemment des documents qu'on pourrait fournir par le biais de la commission. Si vous souhaitez, monsieur Le Sarblay, on pourra s'assurer de vous fournir des comparaisons. Mais pour le service, c'est quand même 5 millions en 2022 qui seront impartis à la prévention et à la sécurité urbaine en général. Merci de votre proposition, Madame Bassin. Je pense que la commission serait intéressée par ce document complémentaire-là. Merci beaucoup. Parfait. On va vous les fournir. Donc, cela termine notre période de questions des citoyens. Nous pouvons donc entamer la période de questions des commissaires et des élus. Je vais donc donner la parole aux mains levées en priorisant nos vice-présidents. Et je tiens simplement à rappeler le mode de fonctionnement. Nous donnons le fonctionnement de la période de questions des commissaires. C'est deux tours de table pour chaque commissaire. Ils ont le droit de poser une question par tour de table. Et après les deux tours de table, si le temps nous le permet, on ouvre la période de questions aux élus municipaux non membres de la commission. Donc, je vois qu'il y a certains élus non membres de la commission avec nous. Je les salue. Merci de votre présence. Donc, on commence avec Monsieur Desbois. Oui, bonjour. Merci Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Donc, ma question porte sur l'absence de plan d'action en itinérance et la crise à Omicron. On sait que les refuges dédiés aux personnes en situation d'itinérance sont aux prises avec des éclosions en raison du variant et sont pleins depuis quelques semaines. Certains d'entre eux doivent refuser des personnes vulnérables sans avoir aucune alternative à leur proposer. Les températures ont atteint moins 38 degrés en ressenti cette semaine, c'est étonnable. Mardi dernier, nous avons connu le pire avec le décès malheureux d'un homme en situation d'itinérance âgé de 74 ans. C'est absolument inacceptable. Les ressources financières dédiées à l'itinérance initialement prévues avant l'arrivée du variant Omicron ne seront pas suffisantes alors que les besoins augmentent de jour en jour. Alors que les températures glaciales sont loin d'être terminées, quel est le plan de match d'urgence de la ville et quelles ressources seront affectées aux besoins à court terme? Les montants dédiés à l'itinérance en 2022 seront-ils révisés au regard des nouveaux besoins? Et pourquoi le plan régional en itinérance en partenariat avec le réseau de la santé et des services sociaux ne sera dévoilé qu'au printemps de cette année alors que cela fait presque 2 ans que la ville n'a pas de plan d'action en itinérance? Merci. Je vais laisser Madame Bastien répondre ou vous pouvez aussi rediriger la question vers les membres de vos services que vous souhaitez. Madame Blanco, Blanco. Quelques mots. Madame Blanco, parfait. Excusez-moi, je n'avais pas vu votre. Il y a tellement de mains levées, tellement d'enthousiasme. C'est comprends, monsieur le président. Désolé. Je vais peut-être amener quelques éléments de réponse, puis je vais laisser par la suite Madame Bastien compléter la réponse. Et tout d'abord, donner mes condoléances encore une fois aux familles, aux proches de l'homme décédé. C'est clair que ce sont des situations qui bouleversent. En termes de plans d'action, on le répète à chaque occasion, c'est important de les mettre en contexte. C'est la santé, c'est le réseau de la santé qui va établir la quantité de places nécessaires. C'est en concertation avec les organismes communautaires. Le rôle de la ville, c'est logistique, c'est d'être là pour soutenir, pour pouvoir fournir des installations, ouvrir les places. Mais en termes de quantité, les cibles vont être données par la santé publique. En termes de financières, je tiens à souligner rapidement qu'on l'a dit, je l'ai dit à l'ouverture, dans mon mot d'ouverture, puis Mme Bastien a rebondi sur le fait qu'on double de 2022 les budgets dédiés que la ville dédie en itinérance, on les double et ça va passer à 6 millions par année. Évidemment, les services, on travaille sur les scénarios parce qu'on veut que les organismes communautaires aient les moyens nécessaires pour continuer à faire le travail qu'ils font pour
parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils ont toujours fait un bon travail. Ils le font encore plus depuis les 2 dernières années. Mais je tenais à soulever ces éléments de réponse dans un premier temps. Et je laisserai Madame Bastien peut-être à amener d'autres éléments de précision si elle les considère nécessaires. Merci pour votre question. Je vais compléter effectivement et ensuite laisser la parole à Serge Larroux, commissaire aux personnes en situation d'itinérance qui est présent. Je voulais réagir surtout à la notion du plan d'action en itinérance, qu'effectivement le dernier plan d'action en itinérance était pour les années 2018 et 2020. La séquence qui était prévue à partir de ce moment-là, c'était d'avoir un plan effectivement régional pour l'ensemble de la région, compte tenu des responsabilités partagées en matière d'itinérance entre le ministère, entre la Santé et la Ville. La séquence donc était d'attendre un plan interministériel sur la question d'itinérance qui a été adopté l'année dernière et donc de poursuivre avec le plan régional sur l'ensemble de Montréal. Vous comprendrez qu'avec les enjeux de la COVID, l'accent de l'ensemble de ces acteurs a été mis sur la réponse aux besoins immédiats et donc ça a occasionné un certain décalage ou report à tout le moins de la planification, mais ça demeure une priorité de réfléchir au rôle et responsabilités et de revenir à un plan régional où l'ensemble des actions, que ce soit celles portées par la santé, celles de la ville et également celles des partenaires communautaires, soient intégrées dans un même document. Pour maintenant, la réponse forte qu'a eue la ville et l'ensemble des acteurs en lien avec les températures que nous avons vécues cette semaine, je laisserai Serge Larroux présenter rapidement ce qui s'est fait et ce qui a été les efforts qui ont été déployés dans les derniers jours. Merci Nadia, merci Monsieur Desbiens, votre question. Vous savez, dès le 1er décembre, il y avait un plan très musclé des mesures hivernales qui prévoyait quelques 1500 places différentes partout dans la ville en termes de unités de débordement et de halte chaleur. Évidemment, dans ce plan-là est venu s'intégrer Omicron avec tous les bouleversements qu'on a connus. Donc, on a ouvert 2 hôtels, toujours avec la santé. Hein, la ville est en appui pour les locaux, mais c'est la santé et la santé publique qui déterminent le nombre de places et les lieux. Donc, il y a eu 2 hôtels, l'hôtel Chrome et l'hôtel Abri des voyageurs, qui ont pu accueillir quelques 200 personnes positives. Et ce matin, Mme Blanco a visité avec la mairesse Plante le stade de soccer qui, en un temps record, a été aménagé et dès ce midi, 200 personnes y seront transférées et 350 personnes positives pourront y être. En même temps, la santé publique a permis au refuge de recommencer à prendre des gens. Donc, vraiment, en quelques jours, en quelques semaines, on a changé ce plan-là pour s'assurer d'avoir aujourd'hui quelques 1800 places possibles. Également, on a ouvert une halte chaleur au centre du plateau de 75 à 100 places. On a démarré ça en quelques heures lundi quand on a vu la grande vague de froid. Et au moment où on se parle, on évalue qu'il y a suffisamment de places à Montréal pour accueillir les personnes en situation d'itinérance. On est très désolé du décès de Mathieu lundi soir. Mathieu, une personne qu'on connaissait de 75 ans, qui vivait dans la rue depuis près de 10 ans, qui refusait toute aide au niveau de l'accueil des refuges. Il fréquentait les ressources et ça, on ne sera jamais à l'abri de décès malheureux comme ça. Mais je pense que la santé, les organismes, la ville, notre centre de coordination des mesures d'urgence met vraiment les bouchées doubles pour essayer d'avoir le plus de place. Et on va encore analyser la situation des prochains jours. Et s'il faut encore plus de place, on va en faire également. Merci. 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 Merci beaucoup, Madame Goulet. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je salue mes collègues, Mesdames Blanco et Sourias. Merci, Madame Bastien, pour votre excellente présentation qui montre, et je peux en témoigner personnellement, l'excellence du travail de votre équipe, leur grande expertise au service de la ville et leur grande compréhension des enjeux sociaux complexes qui animent notre ville. La lutte à la pauvreté, à l'exclusion, c'est un travail transversal sur tout le territoire de Montréal, mais il y a des besoins spécifiques dans plusieurs quartiers de la ville où il y a de fortes concentrations de populations à faible revenu, souvent issues de l'immigration, puis qui vivent dans des conditions difficiles de logement.
Alors, on voit dans le budget du service que de nouvelles sommes seront attribuées au PDI pour un programme, le programme Quartier intégré et résilient 2030. C'est une excellente nouvelle pour les quartiers les plus défavorisés de la métropole. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce programme-là, ainsi que sur le processus de révision du programme des RUI, les zones de revitalisation urbaine intégrée, qui est en cours également? Merci beaucoup. Merci pour vos bons mots, Madame Goulet. Effectivement, alors en réponse à la question, effectivement, l'initiative de revitalisation urbaine et intégrée, ça fait plus de 20 ans que la ville agit sur ces phénomènes-là en termes de travailler sur les conditions, sur le cadre de vie dans 12 quartiers à forte concentration de pauvreté. On soutient la mobilisation, mais également des aménagements plus inclusifs. L'intention avec ce programme Quartier inclusif et résilient 2020, c'est vraiment de venir renforcer ces initiatives-là en mettant vraiment, donc je parlais tout à l'heure de l'ajout, l'amélioration d'infrastructures, mais c'est surtout de prioriser des investissements dans des secteurs qui présentent des plus grands facteurs de vulnérabilité. Donc, de travailler de concert avec les RUI et de concert avec les autres acteurs de la société civile également, d'impliquer les arrondissements dans ces démarches-là pour venir offrir à la population des milieux inclusifs, des milieux sûrs, des milieux plus résilients qui viennent répondre à leurs besoins, puis leur offrir des infrastructures de proximité également, puis d'assurer une plus grande équité territoriale au niveau de ces programmes-là. Alors, je ne sais pas si mes collègues souhaitent compléter la réponse. Je regarde Ramana Zanfrognon. Oui, je pourrais y aller. Merci beaucoup. Ben, pour compléter ce que Nadia a indiqué, donc au fond, l'idée avec les financements additionnels de cette année, c'est donc de renforcer nos actions. C'est un PDI, donc c'est de renforcer nos actions en matière d'infrastructure dès 2022. Nadia a annoncé aussi qu'à partir de 2023, donc on a un budget additionnel là de 2023 à 2031. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une action beaucoup plus forte en matière d'infrastructure dans ces quartiers à forte concentration de vulnérabilité. Donc, on veut commencer dès 2022 avec les RUI existantes dans l'intention de travailler vers un programme, un nouveau programme qui mettrait l'accent donc sur les infrastructures. Ce que je veux aussi ajouter, c'est que ce travail-là, on veut le faire avec d'autres services municipaux. En fait, quand on parle de vulnérabilité, des vulnérabilités sociales, mais en fait, il y en a d'autres. Et souvent, c'est des quartiers qui vont combiner plusieurs vulnérabilités, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient liées à l'accès à des parcs, au transport, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on a besoin de nos collègues des autres services pour pouvoir justement faire cette transformation dans des quartiers qui ont des vulnérabilités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Monsieur de Souza. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Salut, Madame Sourias. Je pense que je regarde tout le monde là-bas, mais comme vous, Monsieur le Président, je ne peux pas tous les noms, mais je vous salue tous les membres de l'équipe et Madame Bastien pour la présentation. Ma question est sur la question du Fonds Reflex Montréal en itinérance. Le montant du budget 2022 de la ville a dédié à l'itinérance a doublé en comparaison du budget précédent. Par contre, le document budgétaire ne fait pas mention nulle part du fonds de réflexe Montréal en itinérance. C'est un fonds de 5,45 millions de dollars sur 5 ans et dont 525 viennent du gouvernement du Québec. Et donc, à cet effet, je me demande, est-ce que le budget de la 5,9 millions dédié à l'itinérance inclut le fonds suscité? Et si oui, combien reste-t-il de ce fonds? Est-ce que la Ville avait entamé des démarches pour renégocier l'entente, considérant que ça prendra fin de 2023. Et en même temps, il y avait à l'époque une wet shelter qui devrait être aussi construite via le montant de ce fonds à une hauteur de 3 millions de dollars. Et est-ce que ce projet va se réaliser? Et si oui, quand? Merci.
Alors, je vais commencer la réponse et mon collègue Serge Larroux va pouvoir la compléter. Effectivement, donc comme vous l'avez dit, le budget en itinérance a été doublé cette année, donc à 6 millions. Cependant, tout ce qui touche au fonds Réflexe Montréal qui a été consenti, cette portion du budget n'est pas inclue dans le budget de la ville puisque c'est un fonds qui est co-géré avec le réseau de la santé. Ce sont eux qui ont les enveloppes budgétaires. L'enjeu, c'est que les décisions sont prises en collaboration, quant au choix des projets soutenus, mais ce fonds-là n'apparaît pas effectivement au budget de la ville. Il est présent au niveau des budgets donc de la santé. Maintenant, quant à l'utilisation des fonds, des projets qui ont été priorisés, ainsi que les avancements au niveau du Wet Shelter, je laisserai Serge Larroux compléter. Mais est-ce que vous pouvez juste me dire combien est-ce qu'il reste dans ce fonds? Parce que, donné que ça ne paraisse pas, on n'a aucune idée combien est-ce qu'il reste, et puis aussi pour la question de renégocier. Merci. Alors, pour le fonds Réflexe Montréal, qui était de 5,45 millions de dollars, il reste à peu près uniquement que les 3 millions de dollars pour les wet services. Les autres sommes, il y aura un rapport là, du gouvernement du Québec qui sera publié, ont été utilisées notamment pour Résilience Montréal, pour le refuge chez Doris au niveau des femmes en situation d'itinérance et quelques petits projets. Ça va très vite, hein, 5,45 millions de dollars. Les 3 millions qui avaient été réservés par le ministère de la Santé pour les wet services, il y a eu un premier projet exploratoire durant la deuxième vague COVID au Royal Vic, mais on n'a pas pu encore démarrer le wet service parce qu'on démarre constamment des refuges à cause de la COVID. Donc, c'est toujours reporté de mois en mois, mais le CIUS du Centre-Sud et l'organisme Oldbury Mission tentent dès que possible d'ouvrir le premier service de consommation de l'alcool qu'on appelle Wet Shelter dans les prochains mois. Et il y aurait aussi en 2022 un appel de projet pour un deuxième projet. Donc, les sommes sont réservées dès qu'on peut un peu se débarrasser de la COVID. C'est une nouvelle nouveau service qu'on souhaite pouvoir implanter. Et est-ce que vous pouvez aussi aborder la question de la renégociation de cette entente qui vient à la fin, puis à quels sont des montants que la Ville entame chercher dans ce renouvellement? L'entente se terminait en 2023. Par contre, il y aura certainement une prolongation puisque les 3 millions de dollars des wet services n'ont pas pu être dépensés. À chaque demande budgétaire, donc encore une fois, en cette période-ci de l'année, là, pour le prochain budget du Québec, nous, on souligne, la mairesse souligne son intérêt de renégocier le FRMI pour pouvoir remettre des fonds dans ce budget-là. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse favorable. On travaille avec des fonds COVID et malheureusement, 2022 risque d'être encore une année COVID. Mais on demande à chaque fois, effectivement, de renouveler le FRMI pour de nouveaux projets. Là, et Dieu sait qu'on en aura au cours des prochaines années. Alors, on garde espoir que ce dossier-là va redevenir actif, mais on laisse passer la COVID. Merci, M. Larroux. Merci, Mme Bastien. M. le Président, merci pour votre indulgence. Merci beaucoup. Mme Sigouin. Merci, M. le Président. Bonjour à toute l'équipe, la diversité et l'inclusion sociale. Merci beaucoup pour la présentation aujourd'hui de Madame Bastien. Parlant de renouvellement d'entente, une des grandes réalisations de l'année dernière, c'est certainement le renouvellement de l'entente entre la Ville et le MIFI pour 3 ans à hauteur de 12 millions. C'est vraiment très important d'assurer une meilleure intégration des personnes migrantes et des nouveaux arrivants dans la métropole, soutenir aussi les organismes qui sont en soutien à ces gens-là. Quels sont les principaux projets reliés et les priorités qui seront visées dans le cadre de cette entente? Merci, Madame Sigouin. Alors, effectivement, une importante entente qui vise l'intégration des personnes nouvellement arrivées, des personnes racisées. Il y a Marie-Christine Ladouceur qui est présente à cet appel, puis je vais inviter à présenter les 4 grands programmes liés à cette entente. Merci, Nadia. Alors, bonjour à tous. Merci pour votre question. Alors, effectivement, importante entente, 12 millions, elle est divisée en 4 volets.
D'abord, évidemment, pour les personnes immigrantes, la priorité, c'est l'intégration en emploi. On l'a bien vu, notamment avec notre baromètre ECHO là, qu'on a fait en 2020, où on a sondé les personnes immigrantes à Montréal. Et on vient donc agir avec la stratégie Montréal inclusive au travail. C'est une stratégie qu'on a déployée dans les 3 dernières années, la première édition. On a fait des balados, des événements de sensibilisation, une première campagne pour la ville aussi, la campagne Porte fermée, et d'autres actions pour sensibiliser et mobiliser les Montréalais autour d'une meilleure intégration en emploi. Et donc, on va encore redéployer cette stratégie avec de nouvelles actions. Donc, ça, c'est en cours. Le deuxième volet, c'est l'initiative des territoires d'inclusion prioritaire, donc où s'établissent 62 % des nouveaux arrivants. C'est une initiative phare qui est donc pilotée dans 8 arrondissements composant 6 territoires d'inclusion prioritaire. On a 6 personnes sur le terrain qui travaillent main dans la main avec les arrondissements, avec les partenaires locaux pour déployer là, des projets innovants. 33 % de ces projets-là ont été déployés en concertation. Donc, le rôle d'accompagnement des conseillers a été vraiment majeur. Et donc, on poursuit avec cette initiative dans les prochaines années. On a également le programme Montréal Inclusive qui soutient des projets des organismes régionaux. Beaucoup de par et pour, donc on vient vraiment soutenir là, toute la philosophie par et pour dans la conception des projets, dans le pilotage de ces projets. On a aussi quelques projets de services de la ville, le musée Mémoire des Montréalais, par exemple, le projet Contact avec les livres. On a également tout le dialogue avec le quartier chinois qu'on va faire une phase 2 parce que c'est important de poursuivre la relance inclusive de ce quartier et on s'y est engagé. Et enfin, on soutient aussi tout le suivi et l'évaluation. Donc, on a eu des évaluations indépendantes qui nous ont vraiment pisté sur des bonifications de tous nos programmes. Également, le baromètre ECHO, on va le refaire en 2023. Donc, ça nous permet vraiment de s'assurer que nos projets, nos programmes sont toujours en phase avec les besoins des populations et de bonifier en continu et d'alimenter aussi l'intelligence de la ville sur ces questions. Donc, essentiellement, ce sont les 4 volets et les projets de ce contexte. Merci beaucoup. Donc, tout ce qui est francisation fait partie d'un autre programme, de d'autres projets. Est-ce qu'on va vous en parler également dans la présentation? Oui, tout à fait. On est assez actifs en francisation. On avait un volet dans l'ancienne entente 2018-2021. Maintenant, ça ne fait plus partie de l'entente avec le ministère. Mais vous savez, la Ville a dévoilé son plan de valorisation de la langue française. Et il y a tout un volet sur l'inclusion. On est quand même actifs là, dans ces travaux-là. Et c'est à venir, mais c'est à part de l'entente avec le ministère. Excellent. Merci beaucoup pour les réponses. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Graton. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Bastien. Bonjour aux membres de votre équipe. Ma question concerne le projet pilote équipe mobile en médiation sociale dans l'arrondissement de Ville-Marie qui a été mentionné à la page 20 de la présentation. À ce que je sache, c'est un modèle qui est assez unique au Québec. Donc, on a de quoi en être très fiers à Montréal. Donc, comment se déroule la première phase du projet? Avez-vous des résultats à nous partager? Puis, comment envisagez-vous la suite du projet pour les prochaines années? Merci pour la question qui nous permet d'en dire un peu plus sur cette initiative. Effectivement, donc ma collègue Ramana va pouvoir compléter, mais je vous dirais que donc c'est un projet pilote qui a été lancé d'abord pour 3 mois, de septembre à décembre, qui a été prolongé récemment jusqu'au mois de mars, qui permet donc à 8 personnes dans l'arrondissement de Ville-Marie d'intervenir, et on le fait avec la Société de développement social. On a effectivement un bilan préliminaire avec quelques résultats dont ma collègue va pouvoir vous présenter un peu plus en détail. Donc, Ramana, je te laisserai compléter avec quelques résultats en scoop. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, M. Graton. C'est un projet dont on est fier, un projet qu'on a lancé en test parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Donc, c'est un projet collaboratif entre la Ville de Montréal et la Société de développement social, donc qui a l'expertise qu'on reconnaît dans ce domaine-là. Mais c'est un projet porté par la Ville, ce n'est pas un projet de l'organisme communautaire. Donc, actuellement, dans le cadre du projet pilote, il y a 8 intervenants, donc
dans l'arrondissement Ville-Marie. Donc, on teste quelque chose. Ils sont présents de 9h à minuit avec des interventions fortes en soirée parce que c'est le constat qu'on avait, c'était que c'était plutôt en soirée qu'il y avait des manques. Des chiffres que j'ai, donc il y a eu, en fait, sur 600, il y a 650 interventions qui ont été faites entre le 20 septembre et le 31 décembre. Puis quand je dis intervention, en fait, il y a trois types d'interventions, ce qu'on appelle des réponses à des appels, donc un refuge téléphone dit j'ai une situation, j'ai besoin de soutien, Émis se déplace. Ensuite, il y a les interventions que Émis va faire de lui-même, donc marcher dans la rue, marcher dans certains quartiers et constater des choses. Et le troisième type d'intervention, c'est ce qu'on appelle les planifiés, donc les rendez-vous, donc des situations, par exemple, l'exemple facile, ce sont les campements. Donc, sur des rendez-vous où Émise va se déplacer pour aller accompagner quelqu'un dans un campement pour lui dire de référer vers des ressources. Donc, ces trois types d'interventions-là, il y en a 650 qui se sont faites le 3 mois qu'on a. Le gros volume étant, en fait, le mois de décembre. Quand on regarde les courbes, c'est vraiment parti peu, puis on augmente les interventions tranquillement depuis. C'est en fait très bon signe, on s'implante dans le milieu. Sur ces 650 interventions, 40% sont des réponses à des appels, donc quelqu'un, partenaire appelle, 46% sont des interventions de patrouille, donc Émis a marché, constate quelque chose, et le sol, donc c'est des planifiés, là, des situations de campement. Donc, ce que je veux nommer, puis c'est un peu dans le scoop, ce qu'on constate actuellement avec l'urgence de l'hiver, le temps froid qu'on a eu, Émis a été très, très directement mise à contribution, justement, sur le site qui a été ouvert dans le plateau. Ce sont les intervenants d'Émis qui ont joué le rôle d'intervenants psychosociaux en collaboration avec les services policiers, etc. Mais Émis, dans ce contexte-là, a été vraiment directement sur le terrain, puis c'est la ville qui a appelé Émis, a dit on a besoin de vous, vous devez aller là, et Émis s'est déplacé. C'est un pouvoir d'action qu'on n'avait pas avec Émis, où on était, je vous dirais, bon, c'est un pouvoir d'action qu'on a qui est très facilitant et qui nous permet d'agir directement, justement, dans des contextes d'urgence comme celui-là. Donc, c'est une réalisation, je vous nommerai, puis un test grandeur nature de ce que Émis peut faire comme différence dans notre écosystème. Je crois que Madame Blanco va compléter la réponse également. Oui, en fait, je pense que Ramana a fait un bon mi-bilan, quelques premiers chiffres, et c'est un projet dont on est tous et toutes très, très fiers. Et d'ailleurs, je tenais peut-être à préciser qu'avec les dernières journées des grandes froides, avec l'alte chaleur qui a été ouverte dans les plateaux Mont-Royal, en attendant l'ouverture aussi du stade de soccer de Montréal, et c'est une équipe qui a été présente, qui a répondu et qui a pu accompagner, amener des gens vers cette ressource pour que les gens puissent être à l'intérieur, au chaud, avoir du répit, prendre quelque chose, voilà, se réchauffer. Donc, on est très, très fiers et ça montre la pertinence de ces projets qu'on espère que les voir se solidifier, pardon, puis s'étendre à d'autres parties du territoire de l'île de Montréal. Merci. Merci. Merci beaucoup. La parole maintenant à Madame Journeau. Merci beaucoup. Donc, ma question va être sur le programme de prévention de la violence commise et subie par les jeunes. En fait, pour commencer, avant d'être élue, j'étais directrice de la Maison des jeunes à Pointe-aux-Trembles. Donc, j'ai vu rapidement l'impact de ce nouveau programme pour souligner le travail de notre arrondissement. Ils ont mis sur pied un comité de sécurité urbaine. Il y aura plusieurs acteurs. Il faut comprendre que à Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, c'est deux quartiers qui sont quand même séparés par une autoroute. Mais ce comité-là a permis justement de mettre en commun les organismes communautaires. Donc, ça s'est fait sentir sur le terrain, l'action rapide. Par la suite, de notre côté, c'est était un travail de collaboration avec l'organisme Prévention Pointe de Lille, qui sont porteurs du programme Tandem. Donc, c'est eux qui vont surtout travailler au front, en partenariat, bien sûr, avec les maisons des jeunes. Donc, ma question est de savoir un peu votre service, comment il va venir en soutien, parce que je sens que l'argent est allé rapidement
et c'est ce qu'on voulait, aux organismes et aux arrondissements? Et comment est-ce que vous accompagnez tout ça pour peut-être avoir un plan plus global de la situation, puisque nous, on a la situation sur le terrain plus précise? Et dans le fond, c'est quoi votre rôle pour nous accompagner ici? Merci pour la question. Vous avez effectivement bien campé le rôle d'accompagnement du service, mais je vois ma collègue Ramana qui allait répondre. Alors, vas-y, Ramana. En fait, votre question est très pertinente, puis c'est un rôle qu'on veut jouer davantage, en fait, je vous dirais, dans les actions que nous portons dans ce programme-là. Vous savez, c'est un nouveau, dans sa mouture actuelle, c'est un nouveau programme là qui date de 2019-2020. Et en fait, cette année, en 2021, ce qu'on a fait de différent, par exemple, en termes d'accompagnement, c'est qu'on a offert des formations très proche là aux intervenants sur le terrain, dans le contexte où on a octroyé une bonification à quelques arrondissements. Votre point nous a été soulevé, notre point nous a été nommé, et on a voulu répondre justement à ça en offrant des formations. Des collèges de Maisonneuve a offert des formations aux intervenants sur le terrain, justement pour les tenir à jour sur les pratiques. Et l'idée également aussi a été de mettre en place des communautés de pratique. En fait, ce que vous nommez là, c'est justement que chaque environnement, chaque milieu a ses pratiques, ses connaissances, mais il y a tout intérêt justement à relever ces conversations-là entre partenaires et d'avoir des lieux de conversation et des lieux d'échange. Et l'autre exemple, je pourrais également vous donner sur la matérialisation de ce que vous nommez, c'est qu'à la fin de l'année dernière, dans le contexte justement de ce programme et du budget additionnel qui a été octroyé aux arrondissements de l'Est, on a eu un événement de dialogue où justement autour de la table, on a eu deux après-midi de conversation où il y avait vraiment des partenaires de partout qui ont justement partagé leur expérience. Je pense que ça a été très, très riche. Donc, tant pour les partenaires des arrondissements, les organismes communautaires, nous comme Ville-Centre. Donc, il y a vraiment eu un moment d'échange et ça a été très, très apprécié. Ça a été nommé. Ce rôle-là, on veut le jouer davantage, je vous le dirais. Puis, c'est justement dans l'intention, on a déjà nommé des budgets additionnels qui ont été octroyés à la question de la prévention de la violence, et on veut vouloir matérialiser ces rôles-là, donc en ayant des lieux de dialogue, des lieux de conversation pour renforcer les capacités des milieux. Et ça nous est beaucoup nommé, je pense, dans ce qu'on reçoit des milieux. Merci beaucoup pour votre réponse, puis c'est vraiment le fun de vous entendre parce que c'est vraiment ça qui sortait de la communauté de pratique. Elle a besoin de formation, donc après d'avoir votre vision à vous, ben c'est ça, pour moi c'est super satisfaisant. Merci beaucoup pour votre travail. Merci, Madame Grondin. Oui, merci Monsieur le Président. Alors ma question porte en fait sur la page 8 là, du document qui nous a été présenté. Merci Madame Bastien là, pour cette excellente présentation. Alors vous parlez de 2,2 millions sur 2 ans pour 10 projets d'envergure liés à l'accès alimentaire saine et l'insécurité alimentaire. Est-ce que c'est possible de nous faire un peu la déclinaison de ces 10 projets, s'il vous plaît? Oui, on va pouvoir vous les présenter. Effectivement, c'est un nouveau programme qui s'est réalisé en collaboration avec la Direction régionale de santé publique qui soutenait également un volet en sécurité alimentaire. L'intention a donc été de mettre en commun nos fonds pour justement pouvoir soutenir des projets plus structurants puis avoir un plus grand impact au niveau de la sécurité de l'insécurité alimentaire. Donc là encore, je vais laisser la parole à Ramana qui va pouvoir vous faire un bref topo là, sur les projets qui ont été présentés. Puis également, on pourrait fournir à la commission le portrait plus détaillé là, compte tenu de la limite de temps. Donc Ramana va pouvoir vous faire quand même un aperçu, puis on enverra le portrait plus complet à la commission. Oui, mais en fait, donc ce financement conjoint-là, donc comme son nom le dit, on a vraiment pour une première fois fait un appel de projet conjoint Ville de Montréal, Direction régionale de santé publique, et également un appel de projet qui s'est fait sur 2 ans, donc un pluriannuel. C'est assez nouveau aussi dans notre façon de travailler avec les organismes communautaires. Des exemples de projets, je vais vous en donner quelques-uns là qui ont été financés dans ce contexte-là. C'est chez nous, il y a par exemple, il y a Moisson Montréal qui était nommé à côté, donc qui est un gros partenaire bien connu à Montréal. On a des financements avec le regroupement de partage de Montréal, le groupement partage des magasins de Montréal. On a un financement avec Resto Plateau
avec Resto Prato, la Société Saint-Vincent-de-Paul, avec également l'Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain. Donc, c'est vraiment des projets qui, certains, sont très connus là dans les financements que nous octroyons. Et il y a également un bloc de financement sur des plus gros projets comme le Club des petits déjeuners, c'était le financement qu'on donnait, qui sont des financements qu'on a maintenus également en sécurité alimentaire. D'autres projets également, des plus gros montants, des montants plus importants, des plus gros organismes, le dépôt alimentaire NDG. Donc, c'est vraiment des exemples. Là, je pourrais continuer. On va vous fournir l'information. L'information est disponible parce qu'il y a vraiment eu un appel de projet. Il y a vraiment eu tout le processus d'appel de projet complet. Donc, on pourra vous fournir les détails comme suite à ceci. Il y a également ce que je peux aussi nommer, c'est tous les projets financés par la DRSP aussi, qui sont des très gros projets. Le Provert Sud-Ouest, la Bouffe Action de Rosemont, il y a Montréal Ville Sans Sida également, donc des financements qui ont été, enfin des plus gros financements de la DRSP qui ont permis donc de renforcer notre action, je vous dirais, en sécurité alimentaire. Mais on pourra vous fournir tous les détails ainsi que les montants là qui sont connus. Merci, mesdames. Excellent travail de collaboration encore une fois. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Donc, nous pouvons entamer le deuxième tour de table des commissaires. Donc, ce sera Mme Goulet et ensuite M. De Souza. Merci, M. le Président. Je me permets une deuxième question. Là, ça n'arrive pas souvent, mais compte tenu de l'ampleur aussi des réalisations des EIA, je pense que ça vaut la peine de creuser avec vous. Vous travaillez sur tellement d'enjeux également. Alors, j'aimerais revenir sur un outil majeur dont Montréal s'est doté l'an dernier. Il s'agit de, qui va avoir un très, très grand impact pour l'avenir. Il s'agit de la politique montréalaise pour l'action communautaire adoptée au conseil municipal à l'unanimité. C'est une première, on l'a dit, là, dans le milieu municipal québécois. Ça marque vraiment un tournant. Québec avait la sienne, sa politique depuis 2002. Il était vraiment temps qu'une ville de l'ampleur de Montréal se dote d'une vraie politique qui témoigne d'une reconnaissance avec les organismes communautaires, mais aussi d'un engagement de partenariat là, et avec tout ce que ça implique, avec les centaines d'organismes communautaires dans tous les enjeux qu'on vient d'aborder, qui travaillent ensemble chaque année. Alors, j'aimerais vraiment que vous nous disiez quelques mots sur comment ça va s'opérationnaliser, cette politique-là. Il y a un comité de suivi qui est prévu, qui va le composer, puis quelles sont les prochaines étapes, dans le fond, de mise en œuvre de cette nouvelle politique-là? Merci. Merci encore de nous donner l'occasion de parler d'une grande fierté, effectivement, qui vient changer nos manières de collaborer, de travailler avec le milieu communautaire. Effectivement, donc, un des engagements forts de cette politique était de constituer un comité de suivi avec une gouvernance donc participative de toute cette démarche-là. Donc, le comité de suivi, l'intention était qu'il soit égalitaire, donc formé de manière égale entre les représentants de la ville et des représentants du milieu communautaire. Alors, ce qui a été conçu tout de suite après son adoption, ça a été donc un comité de suivi qui a été formé de 3 représentants en ville, où il y a deux employés du S10 qui siègent sur ce comité-là et également un représentant de l'arrondissement du Plateau Montréal qui y est également. En ce qui concerne les répondants pour le milieu communautaire, alors la façon dont on a procédé pour travailler avec la plus grande transparence et d'équité, ça a été de faire un appel d'intention, un appel d'intérêt parmi les regroupements et les organismes existants. Et donc, parmi les réponses que nous avons reçues, ceux qui siègent sur le comité de suivi, alors on a la Coalition montréalaise d'étapes de quartier, on a le regroupement intersectoriel, alors le mot intersectionnel qui revient pour la DS+, mais là il s'agit bien du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, mieux connu sous le nom du RIOCM, et enfin le réseau d'action des femmes en santé et en services sociaux, qui sont donc les 3 représentants du milieu communautaire qui y siège. Alors, les premières rencontres qui ont eu lieu tout récemment, l'automne dernier, ont permis au comité de se constituer un plan de travail pour la prochaine année, un ambitieux plan de travail, si j'ose dire. Alors, ce qu'ils ont prévu travailler, c'est d'abord de revoir, de faire l'étude des mécanismes de participation du milieu communautaire qui touchent les programmes de financement de la ville.
Il se propose également de regarder les moyens pour mieux soutenir les groupes qui touchent plusieurs arrondissements, donc les groupes qui sont effectivement, qui n'ont pas une, dont la portée est au-delà de l'arrondissement, mais qui sont effectivement, qui ont une action plus régionale ou suprarégionale. Travailler également à l'allègement du fardeau administratif selon les sommes allouées. On sait que c'est une revendication de longue date et également effectivement du milieu et la ville souhaite y travailler. Donc, ça fait partie du plan de travail, de l'ambitieux plan de travail que ce comité s'est donné. Je tiens juste à mentionner que c'est un comité donc, qui est en place depuis septembre, comme je le disais tout à l'heure, et dont les réponses, les actions vont être en lien avec un important travail qui a été réalisé par la Commission de développement social et de la diversité montréalaise, qui avait ressorti plusieurs engagements. Et donc, le plan de travail qui a été conçu par le comité vient répondre à, à plusieurs de ces engagements-là. Alors, voilà. Merci, bonne continuation. Merci, Madame Goulet. Merci beaucoup. Maintenant, la parole à Monsieur de Souza pour son deuxième tour de parole. Merci, Monsieur le Président. Comme mon collègue Goulet, je m'appelle une deuxième question. C'est rare que je pose une deuxième question, mais les enjeux sont importants. Donc, au mois de, c'est pour la prévention de violence chez des jeunes. Au mois de septembre dernier, l'administration a annoncé que le budget dédié à la prévention de la violence chez des jeunes doublera pour 2022. Budget qui atteignait à l'époque 2,4 millions. Et à page 35 de votre présentation, nous pouvons lire qu'il y a une augmentation de 3,965 pour trois programmes et projets. Le programme de prévention de violence chez les jeunes, programme projet pilote EMIS et le programme d'action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine. Donc, j'essaie de concilier les montants parce qu'à page 15 du budget, on peut lire 5,6 millions sont dédiés au programme sous-mentionné. Juste en utilisant le montant de 5,6 et on soustrait double montant de le montant pour les jeunes, 4,8 millions, il reste juste 800 000 $ pour les deux autres programmes. Donc, j'essaie de savoir avec précision quelles sont les sommes attitrées à tous les trois programmes que j'ai cités pour l'année qui s'en vient, 2022. Alors, je vais commencer la réponse. Ma collègue pourra compléter également. Donc, je confirme que l'apport additionnel qui a été octroyé au budget du service de la diversité pour cette année est bien de 3,9 millions au budget de fonctionnement qui viennent s'ajouter au budget qui était déjà disponible, notamment pour le programme de prévention de la violence commise subie par les jeunes, qui avait un peu plus d'un million à l'époque, et également le programme d'action citoyenne et communautaire, donc le fameux programme Tandem qui était opéré à la fois à partir d'un budget du service, mais également avec des enveloppes des arrondissements. La répartition plus détaillée de l'enveloppe totale qu'on va avoir en 2022, je vous dirais que les scénarios sont à l'étude actuellement pour convenir justement d'une répartition entre les trois programmes, donc le programme de prévention de la violence commise et subie par les jeunes, le programme Tandem et le maintien de l'initiative du projet pilote EMIS. Donc, on va pouvoir vous revenir plus en détail avec la répartition. Mais parmi les scénarios, comme le disait un peu Ramana, on va s'inspirer donc de différentes occasion de consultation qu'on a eu du milieu, des besoins également des arrondissements qui ont été consultés dans cette démarche-là pour bien connaître les besoins et surtout de s'assurer de répondre aux besoins qui sont différents d'un arrondissement à l'autre, d'un territoire à l'autre. Donc, je ne sais pas, Ramana, si tu souhaiterais compléter la réponse à cette étape-ci. Oui, tout à fait. Ben, en fait, pour compléter au niveau des chiffres, donc, en fait, là, comme Nadia le dit, on a un ajout budgétaire de 3,9 millions cette année, en fait, qui s'ajoute au budget qu'on avait pour le programme de prévention qui était de 1 million 35 000 et au montant, donc, de l'ancien programme Tandem qui est 130 000, ce qui fait qu'au total, donc, on a un budget de 5 millions, quelques 5 millions sur les enjeux de sécurité. Urbaine. À cela, en fait, de façon générale, là, pour la question de sécurité urbaine, il y a des budgets qu'on octroie
3 centres de prévention de la radicalisation à Montréal, le CPRMV, qui font aussi partie, en fait, de l'enveloppe globale en sécurité urbaine. Donc, c'est la somme de tous ces montants-là qui font notre budget global. Mais le budget en sécurité urbaine 2022 s'élève à 5 millions 130 000, très exactement, pour donc ces différentes initiatives-là. Comme Nadia dit, en fait, donc la répartition détaillée de ces nouvelles sommes-là donc est en discussion et nous allons travailler là donc pour faire des propositions concrètes pour par programme de façon très exacte. Votre micro, Monsieur de Souza. Meilleure qualité de son, merci. Merci pour les réponses. Peut-être pour nous permettre de mieux comprendre cette répartition que vous avez faite allusion tantôt pourrait être déposée au secrétariat parce que vous œuvrez dans ce domaine tous les jours. Nous, on essaie de juste comprendre comment les divers morceaux du puzzle bougent et qu'il y a une cohérence. Donc, si vous pouvez juste déposer par écrit, ça va nous permettre de mieux comprendre ça. Merci beaucoup. Juste en complément, Monsieur de Souza, quand même, là, je pense que le SDIS s'est démontré très favorable à émettre plusieurs documents complémentaires pendant cette présentation. on s'entend que nos travaux sont très rapides aussi, donc on va comprendre aussi s'ils n'ont pas la capacité de tout fournir ça dans les prochains jours, parce que nous, on tombe quand même dans notre période de négociation dès demain, en fait. Là. Donc, je comprends qu'on en demande là, des documents supplémentaires, là, les commissaires l'ont fait, là, mais je dois quand même rapporter ça au fait que nos travaux de négociation commencent déjà demain. Nous avons des négociations demain, Monsieur le Président? Quel genre de négociation? On négocie si vous venez à la table de travail ou pas. Non. Demain, on commence la première séance de travail pour les recommandations. Ah, demain après-midi. Moi, j'avais pensé que c'était un exercice consensuel, unanimité, pas nécessairement des négos. Bien sûr, le consensus vient suite à des négociations généralement, parce que c'est rare qu'on se lève et que tout le monde pense la même chose. on fait des blagues, on s'égare, excusez. On a déjà dépassé le temps imparti pour le service, je m'excuse, on a du plaisir, là. Puis à la Commission des finances et l'administration, faut pas qu'il y en ait de plaisir. Donc, on va poursuivre, on a déjà dépassé le temps, on a 7 présentations aujourd'hui, donc c'est très laborieux pour les commissaires, je m'excuse de m'étaler. Un deuxième tour de parole, Madame Journeau, très rapidement, s'il vous plaît, c'est long. Je sais pas, Monsieur Langevin, je sais que votre main est levée, mais on dépasse les temps amplement. Je ne sais pas si on va avoir... D'habitude, je suis très généreuse l'été, là, ce matin, mais là, on commence à dépasser beaucoup. Donc, Madame Journeau, votre question, s'il vous plaît. Oui, rapidement, c'est... À la page 15, vous parlez qu'il y a un déploiement de la boîte à outils LGBTQ2+. Savoir, en fait, est-ce que c'est... un peu, c'est quoi la boîte rapidement? Je vois que c'est pour Unité Ville. J'aimerais savoir ce que vous pensiez aussi de l'offrir peut-être aux organismes communautaires. Mais je ne sais pas c'est quoi, donc... Compte tenu de la limite de temps, je vais céder la parole directement à ma collègue Marie-Josée Meilleur sur cette question-là. Bonjour. En fait, la boîte LGBTQ de plus, ça, c'est vraiment une boîte à outils qui est au service, en fait, qui est offerte pour les services et les arrondissements, dans lequel il y a des formations, il y a des fiches aussi d'informations, dont un glossaire, dont différents éléments qui expliquent les enjeux qui sont liés au genre, et tout ça dans une optique d'avoir vraiment un milieu qui est très inclusif, un milieu de travail inclusif. Il faut penser aussi que la boîte à outils, elle est accessible de l'externe, donc de plusieurs de nos partenaires externes. Elle a été aussi partagée aussi avec nos partenaires externes, donc elle est utilisée là, autant à l'interne que à l'externe dans l'organisation. Et cette année, il y a une dizaine là, de formations qui sont prévues aussi pour les services et les arrondissements.
Merci beaucoup. Je compléterai en disant que ça permet donc à la ville d'agir à titre d'employeur inclusif, mais également au niveau de notre prestation de service, de s'assurer que l'ensemble des unités d'affaires dans leur service aux citoyens développent des pratiques les plus inclusives. Merci. Donc, écoutez, je sais, Monsieur Langevin, vous êtes très mobilisé sur cette question-là et c'est tout à votre honneur. Malheureusement, il était prévu qu'on ajourne la séance à 11h45. On a 5 autres présentations aujourd'hui. Donc, je ne permettrai pas davantage de questions de la part des élus. Je suis sincèrement désolé. Merci beaucoup, Madame Bastien, Madame Blanco, pour votre présence aujourd'hui. Tous les employés aussi du service qui se sont démenés pour répondre à nos questions et préparer cette présentation. Merci beaucoup. Nous ajournons donc, est-ce qu'on ajourne, est-ce qu'on suspend? On suspend les travaux jusqu'à 13h30 pour 3 présentations cet après-midi. Merci à tous les commissaires. Bon dîner et à cet après-midi. Merci.